Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, bienvenue dans la Ligue française de League of Legends, bienvenue dans cette fin de Super Week numéro 2 sur 3 dans ce Summer Split de LFL 2021. On est ravis de vous accueillir à nouveau sur notre plateau aujourd'hui pour le pré-show. Un gang en chaussures blanches, visiblement, à commencer par le glorieux Noah JR qui est avec nous ce soir. Bonsoir Noah, comment est-ce? Ça va très très bien et je commence à en avoir vraiment marre que Traiton essaie toujours de copier mon style vestimentaire jusqu'aux chaussures. C'est terrible. Traiton, bonsoir, quelque chose à dire? Est-ce que tu as passé une bonne soirée? J'ai passé une très très bonne soirée, ça fait depuis absolument 2 mois que je porte des chaussures blanches et Noah me copie et ose dire que c'est moi qui le copie. C'est comme à l'école, comme en primaire, sauf qu'on a 30 ans malheureusement, enfin il a 30 ans. Oui c'est vrai, donc si vous étiez dans la même classe, ce serait potentiellement inquiétant pour certains aujourd'hui bien sûr. Bon, trêve de joute vestimentaire bien sûr, on va parler de ce qui nous intéresse, de la fin de saison de la Ligue française de League of Legends. Donc nous sommes actuellement en fin de semaine 6, avec donc une Super Week qui se termine aujourd'hui dans sa 3e journée. Derrière nous aurons le LFL Trésor Day et derrière une nouvelle Super Week pour clôturer cette saison d'été. Autant vous dire qu'il ne reste plus beaucoup de matchs, mon cher Traiton, la pression monte. Il en reste 5, il reste plus que 5 matchs et les 5 matchs vont aller très très vite et comme on le sait avec le classement LFL, il peut se passer beaucoup beaucoup de choses. On est très très curieux de voir la suite avec seulement aussi 5 places en playoff. Exactement, 5 le chiffre clé aujourd'hui. On va regarder les 5 matchs qui se sont déroulés hier soir dans la journée numéro 2 de cette Super Week. Et nous avions commencé par une bataille d'éléments volants bien sûr, les Abeilles de Vitality contre le Phoenix Bleu du Sud, Easy Dream. Ouais, remporté par les Vitality qui ont fait une plutôt bonne game, une game assez convaincante avec un Smiley sur sa Kalista toujours aussi fort, toujours aussi dominant. Asselin qui reprend le pick de 7 qu'il avait un petit peu abandonné, il l'a dit en interview, Targamas se joue un petit peu, il s'est dit pourquoi pas moi, et il a lock le champion, ça a très très bien fonctionné. On notera aussi la très très belle perf de SLT sur sa Camille d'ailleurs qui revient de plus en plus en LFL et même en LEC un petit peu. C'est vrai, absolument. Et la Camille de LCT, effectivement, fut assez visible. Hâte de la voir dans les match-up contre Gwen et compagnie. La Carminière affrontait une autre équipe du Sud, c'était les MCES pour cette reprise. Et c'était un match, messieurs, plutôt accroché. C'était très serré. MCES a plutôt bien joué. On sent que le Aurélion n'a pas vraiment marché comme l'aurait voulu Saken. Il en a même fait un tweet derrière en disant que il avait très bien spam et que quand ça marchait, ça détruisait complètement des parties, que ça faisait en rigolant le stun de la taille d'une lane, etc. Ouais. Mais oui, la Carmine complètement chahutée qui revient un peu des enfers là-dessus. Et en vrai, pour le match d'aujourd'hui, le pronostic était pas si facile. Je suis bien d'accord, vous allez le voir à la fin du pré-show sur les pronostics. On notera côté MCES, c'est bien un combo Ziggs qui a très bien marché sur le bot side, une Liliamide et un Bukkada exceptionnel sur Lee Sin. Troisième match de la soirée d'hier, LDLCOL contre MSI première, les renards contre les lapins, Traiton. Ouais, les renards contre les lapins, et c'est les renards qui ont mangé les lapins dans ce match en particulier, qui reviennent du coup à égalité en termes de score. C'est très très bien pour eux. Pour les MSI par contre, on peut se poser quelques questions. Du côté des LDLC, toujours plus d'agression, le blanc Lee Sin, tout même en mid jungle. On a joué très agressif aussi en phase de lane du côté de Exaki Kedos, qui ont tout même solo double kill ou lit et chaque troll. Ça vaut le coup de le mentionner. Derrière, en teamfight, très très bon travail de Donnart sur Lee Sin. C'est pas forcément le champion sur lequel on le voyait briller, mais en l'occurrence, il a fait une très très belle game. Ah, il a récupéré son petit MVP. C'est vrai que ce mid jungle de LDLCOL marche du feu de Dieu, tout comme le combo bot lane. Peut-être des questions à se poser côté Misfits première, le pic de Lucian qui n'avait pas très bien fonctionné hier soir. Game Ward contre Solari, on le sait, les Game Ward sont actuellement dans une situation de do or die. Et bien aujourd'hui, enfin hier plutôt, ils l'ont fait, notamment dans ce match-up Orianna-Syndra qu'on n'a pas trop compris sur le moment, avec Tukui qui est vraiment le maître du match-up, comme l'avait dit Traiton. Côté Elam, ça déroule tout simplement sur la bot lane. Et c'était peut-être une des moins bonnes prestations de Solari depuis qu'ils ont renoué avec la victoire. J'aime à penser que c'est un cas isolé. Vraiment que c'est un cas isolé parce que l'équipe nous a montré tellement de belles choses récemment. Mais je pense qu'il ne faut pas se formaliser. Ils sont juste bien passés à côté, notamment le Tahmkench. Le Tahmkench au top, premier Tahmkench contre un Gnar qui a fait complètement chou blanc. Ça n'avait pas l'air effectivement d'être dinguissime. En parlant de dinguerie, Gamers Origin contre BDS, c'était une très très belle affiche. Les Winstreak qui s'affrontaient. Une seule a survécu et pas forcément celle qu'on pense. Ouais, c'est les BDS qui ont survécu dans un match haletant qui était extrêmement serré. Ce coup-ci, le time gauge a plutôt très bien fonctionné, même en face de lane. On a pris des kills très tôt pour Mercer Inax. Par contre, en termes de snowball, on a eu un petit peu plus de mal. Et les BDS, très intelligemment avec leur draft, avec un Gnar, avec une Cassiopeia en giga late game, ont réussi à juste venir à bout des Gamers Origin en pure teamfight. Au passage, Aibo, absolument monstrueux côté BDS. Ouais, tout à fait. Un match très très accroché jusqu'à ce que les BDS trouvent la formule en teamfight avec ce Gnar, avec la Cassiopeia qui était parfaitement draftée
dans ces conditions et qui a eu un impact absolument colossal. Et donc les BDS qui sont toujours dans une très très belle série de victoires. Le classement à jour pour cette troisième journée de sixième semaine, la Carmine en tête. On est validé en playoff, bien entendu. Vitality B, mathématiquement, et voilà, il y a toujours des scénarios au triple hexadécimal. Pas encore. Mais bon, on sait tous qu'ils sont en play-off. Ils sont en play-off, voilà, on va simplement le dire. Missis première, Solari, LDLCOL, Team BDS, 4 équipes à égalité alors qu'il ne reste que 5 matchs. Vous comprenez l'intensité de la situation. Alors, et en plus, derrière eux, eh bien, les Gamers Origin, les Game Ward, ainsi que les MCES font toujours la course avec de moins en moins de chances, bien entendu, à mesure que les défaites se sont accumulées. Et on referme la marche avec les Easy Dream qui malheureusement ne sont plus dans la capacité d'accéder aux playoffs, mais toujours capables de contrôler leur destin en ce qui concerne la fin de l'année et les futurs up and down, messieurs. C'est ça, ils sont cuits hein, mathématiquement. Oui, on peut le dire. Il leur faudrait au moins 6 victoires et il ne reste que 5 matchs pour atteindre les places playoffables. Maintenant, mais la saison n'est pas finie. Hein. Il y a les up and down à la fin de la saison et ils sont très importants. Très 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 importants, on en reparlera plus tard dans la soirée. Pour commencer ce pré-show, messieurs, qui est assez dense, on va bien sûr parler des matchs qui nous intéressent aujourd'hui. On va faire aussi une petite mise à jour au niveau des champions qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent plus ou qui fonctionnent à nouveau. On va voir un petit peu une petite overview, 4 pics qu'on a sélectionné avec notre superbe analyste. Et on va commencer par l'impératrice de la mid lane qui ne l'est plus véritablement autant. Vous remarquerez le win rate. Le win rate est très très bas parce que je pense que du côté de la LFL, on a commencé à le jouer un peu plus tard qu'en LEC et du coup, on avait déjà les très très bonnes réponses avec un Huston qui a trouvé très rapidement le Galio, le TF après qui s'est rajouté. Il y a pas mal de picks qui empêchent la Akali de jouer. En plus, avec ses nerfs, le champion va devenir de plus en plus compliqué. Même en étant un expert, je pense que c'est difficile à blind pick. Ça va redevenir au final un pick plutôt situationnel. Bah, elle a été assez mal draft en LFL, hein. Je rejoindrai ton, notamment effectivement quand on voit des Akali alors qu'il y a des Twisted Fate, Lee Sin, Galio open en face. Et ouais. Fait bon, bah bonne chance, hein. Et généralement ça n'a pas marché en LFL. En LFL, on l'a puni, la Akali. On avance sur le second champion qui nous intéresse, c'est Lee Sin. Lee Sin qui a un petit peu, qui est un incontournable bien sûr de ce Summer Split, mais qui a changé quand même de position. On a de nouvelles propositions à faire au niveau de ce pick. Il revient à son poste de prédilection. C'est ça, il revient vers la jungle. Il est sorti un peu des solo lanes où il était surtout là pour faire des E-fléaux pour wave clear avec et empêcher de se faire dive. Donc moi je préfère tout de même un petit peu le Lee Sin gank qui revient à sa position pour mettre des beaux plays. Absolument, mais il est toujours présent notamment en mid lane où on le voit un peu plus. Top lane un petit peu parti, hein, tout de même. Oui, un petit peu boudé actuellement. Lee Sin est en logique, mais aussi il est beaucoup moins ban, du coup il est beaucoup plus présent, ce qui est logique. Et au passage, les joueurs de Lee Sin que l'on a en LFL, on a du Blurzor, on a du Skins, donc ça fonctionne très très bien en jungle. Pick suivant, s'il vous plaît, il s'agit de Kai'Sa, il s'agit de la botlaneuse, bien entendu, un pick on ne jurait que par elle dans toutes ses compositions Nocturne Rumble, composition Dive, en quelque sorte, où on a un CC, on le cale, Kai'Sa follow-up dans l'obscurité, et donc eh bien, on voit que c'est pas trop le style qui est actuel. Au-delà des compositions qui ont changé, je pense que bon, Kai'Sa doit être encore jouable avec 7 Diana par exemple, mais les combos sont quand même plus minimes pour vraiment la jouer et aller jouer des teamfights très très agressifs. Et en plus de cela, en termes de phase de lane, Kai'Sa contre Ziggs, contre Aphelios, contre Kalista, c'est pas un champion du tout qui va avoir la domination et ne pas avoir de domination de lane en bot lane. C'est très plutôt grave dans le jeu, parce que du coup, t'as pas le support qui peut roam. Donc forcément, Kai'Sa est un petit peu descendu en termes de priorité, mais tout de même, en teamfight, un champion dont il faut toujours se méfier. Après, c'est un peu fragile aussi, hein, quand tu prends des Leona Nautilus à toutes les games et que t'as une Kai'Sa, si tu joues pas avec ta cleanse, t'es condamné. On a de bons joueurs de Kai'Sa tout de même, pour ne citer que l'un d'entre eux, voilà, Inax par exemple, qui nous a fait de très très bonnes performances récemment. Et maintenant, on termine ce petit tour d'horizon par le champion qui a disparu dans l'obscurité alors qu'il était pourtant sous les spotlights. Il s'agit évidemment de Nocturne, double nerf ce patch-ci, nerf du passif en lane et nerf également de l'Estropieur, son objet de prédilection. Pour l'instant, en 2 journées jouées sur le patch 11.14, le verdict est plus ou moins sans appel. Après, c'est pas pour autant que c'est devenu le pire des picks. Hein. Je pense que situationnellement, en jungle peut-être, c'est parce que oui, voilà. En lane, le nerf du passif est assez massif. Hein. Sur des compos press R avec des globos où tu veux aller vite, tu veux faire des teamfights un peu éclair, il y a toujours une team ou deux qui s'amusent à sortir le truc horrible, le gangplank Nocturne, Jhin, Karthus, ce genre de choses. Ça peut ressortir.
ça peut ressortir et je te rejoins totalement, ça peut beaucoup plus ressortir en jungle. Avec les nerfs que l'on a vu en jungle, ça reste largement jouable, surtout qu'en réalité contre Lee Sin et contre Xin Zhao, c'est un match, c'est des match-ups qui sont largement jouables pour Nocturne. Un spell shield qui a potentiellement pas mal de valeur, on verra si Nocturne bien est encore boudé par nos équipes françaises. En parlant de nos équipes, eh bien, elles vivent une fin de saison bien absolument dantesque, en tout cas pour la majorité d'entre elles. Nous avons 7 candidats pour eh bien, ce qu'on estime être 3 places encore disponibles en play-off. Et on va parler eh bien, de 4, ou plutôt 5 d'entre eux. 4 parce qu'ils sont en égalité, 5 parce que bah, Gamers Origin est quand même dans la même course, à une victoire derrière. Et je voudrais, messieurs, qu'on s'intéresse à leur calendrier respectif. Et l'idéal, c'est d'en retirer un petit peu le jugement perso sur qui va make the cut. Alors, bon, je pense que en termes de calendrier, toutes les games sont difficiles. Les games les plus simples, c'est pas faux de dire que c'est sûrement MCS et Dream qui sont les victoires qu'il faut sécuriser absolument pour cette équipe pour passer en playoff. Et ce qui saute aux yeux, c'est que du côté des Solary, on n'a plus ces games-là, on n'a plus les games faciles, on n'a que des games qui vont être très très durs contre soit des concurrents directs ou soit des équipes qui sont encore plus haut dans le classement, par exemple avec la Carmine, alors que toutes les autres teams ont encore ces games-là qui sont censés être un petit peu plus simples, oui, piégeux certes, mais un peu plus simples. Donc en termes de points, pour les autres équipes, ça va être un petit peu plus facile. Et pour Solary, il va falloir combattre ces démons et être capable d'aller battre les meilleurs teams de la Ligue. L'agenda le plus difficile serait pour Solary, Noir, on est d'accord là-dessus. On a PDS, d'accord. Misfits, Carmine, LDLC, Gamers Origin. Ah ouais. Non, mais je suis complètement d'accord avec Treton. Le planning de Géo, finalement, il est plutôt pas mauvais non plus. Je dirais que le deuxième pire calendrier, c'est peut-être celui de BDS, hein, qui n'a que Easy Dream, du coup, et qui derrière doit tout de même se manger des Misfits, où on peut pas, alors même s'ils sont dans un slump, on peut pas les retirer du tableau. À n'importe quel moment, Misfits, ça peut sortir des bonnes games. Bien d'accord. Voilà, il suffit vraiment de prendre un peu le patch en main, qu'il y ait une semaine d'entraînement qui se passe bien, qu'on cible quelques problèmes. Donc pour moi, ouais, c'est les deux teams qui sont un peu dans le dur. Eh bien, en parlant d'équipes qui sont dans le dur, mais qui ont quand même de grandes prétentions, les MCES et les Game Ward, là, des scénarios, il faut quand même un peu plus pousser en termes de win rate, notamment pour les MCES, c'est du 100% qu'on attend, hein, pour rester dans la course. Et pour les Game Ward, on pourrait partir du même principe. Ouais, il faut du 100% quasiment pour les deux équipes. On voit que MCES a encore Vitality, par exemple, une équipe très très dure. Maintenant, ils ont au moins que des concurrents directs, donc pourquoi pas réussir à faire l'exploit. Et après, du côté des Game Ward, on peut y croire un petit peu, mais il faut démarrer par une victoire directement sur la Carmine Corp si on veut avoir des chances de revenir tout simplement dans la compétition. Et pourquoi là, il dit la Carmine Corp directement? Bah, c'est parce que c'est le planning d'aujourd'hui. On vous l'affiche, bien entendu, l'agenda de la journée pour conclure cette Super Week. MCES contre LDLC en match d'introduction, BDS Solary dont on va parler dans quelques instants, Carmine contre Game Ward, Do or Die pour bien sûr l'équipe représentant Boulogne-Billancourt, Vitality TV contre Gamers Origin, et on terminera avec les Lapins contre le Phoenix Bleu du Sud en fin de soirée. Bon moyen de savoir si les Misfits sont réellement en difficulté ou c'est simplement des matchs qui se sont un peu mal passés. Et donc, comme je vous le disais, BDS Solary, c'est notre premier focus. Overview, évidemment, au niveau des stats générales des équipes. Et vous le voyez, messieurs, on a des stats qui sont sur les 5 dernières journées de la faille de l'invocateur, de la Ligue. Et donc, forcément, les BDS qui brillent, étant donné qu'ils sont en série de victoires. Ouais, et on a senti hier que Solary essaie de combler un peu peut-être ses lacunes d'early game en changeant un peu dans la compo. Et en vrai, ça n'a pas du tout marché. Ils n'étaient probablement pas encore prêts, ou la compo cliquait mal aussi. Enfin, il y avait un peu de tout, je pense. Et du coup, c'est vrai que là, dans cette rencontre, avec un BDS qui est très proactif, j'ai un petit peu peur. Après, Solary nous ont montré que généralement, tout de même, quand ils ne perdaient pas, ils avaient un snowball qui était assez propre, assez régulier, avec une macro qui était assez solide. Donc pour moi, c'est vraiment juste l'early game qui est vraiment le plus gros danger. Également deux équipes qui osent beaucoup en draft, Treton. Oui. Les BDS, bon, ils ont choisi d'expérimenter plusieurs profils. Les Solary, c'est de la créativité pure. On parle de Vladimir, Tarix, Wayne. De Tamkench aussi, qui sont sortis sans la moindre hésitation. Je suis curieux de voir si eux aussi, ils ont des petites cheese à sortir, pourquoi pas, dans ce match. Je pense que pour les Solary, justement, ce genre de surprise en draft peut très très bien fonctionner. Après, en réalité, on peut aussi partir sur un choix safe, juste prendre du scaling comme ils l'ont fait pendant la majeure partie de la saison. Ça peut être une bonne idée. Hein. Ça peut être une bonne idée et ça peut leur donner des victoires contre des BDS qui ne sont pas non plus les meilleurs toujours dans le snowball de leur partie. Pour conclure les games, donc les Solary qui pourraient miser sur un petit peu de scaling. On regarde la jungle pour commencer notre focus avec Joko versus Blurzor absolument bouillant.
brillantissime dans les dernières journées de la Ligue. Djoko, bon, toujours au cœur, bien évidemment, de l'équipe, mais tout de même un peu plus en retrait maintenant que les parties se révèlent être difficile. Ah, c'est Bourzor, vraiment difficile. Pour moi, Bourzor, c'est vraiment le catalyseur de tout BDS. C'est quand il joue bien, tout le monde va bien jouer. On le voit en termes de champion. Dès qu'il joue des carrés, ça fonctionne très très bien. Quand il joue des champions un petit peu différents, un petit peu plus axés même sur du gank, ça fonctionne un petit peu moins bien. Je pense que pour Bourzor, il faut juste lui donner les clés de cette équipe BDS, lui donner le moyen de snowball, le moyen de passer devant. Et après, le snowball se fait tout à fait naturellement avec aussi la top lane Aibo, qui sont pour moi les deux hommes importants du moment pour BDS. Là où du côté des Solari, les hommes importants, c'est comme toujours Scarlett et Asa. Et c'est à eux qu'il faut donner des ressources. C'est pour ça que Djoko se met peut-être un peu plus en retrait pour essayer d'en donner à son midliner et son ADC. Bien, regardons justement notre cher Djoko. Il a quand même des pics clés. Je prends pour exemple son Viego, que j'avais trouvé plutôt pertinent. Lissine, on sait que c'est un pic de signature de son côté. Et après, bah, une champion de poule qui commence quand même à être assez vaste pour un rôle de jungler où les pics prioritaires semblent assez évidents et plutôt disponibles. Oui, puis bon, Djoko, il est là depuis la nuit des temps sur la scène, donc on sait que même si ça switch un petit peu, et avec tous les corps à corps, s'il a envie de sortir la fameuse Sejuani, il pourra la sortir. C'est bien des choses, pourquoi pas. On sait que ça adore le beau jeu. En parlant de beau jeu, on parle de Chico. Le match-up mid-lane, bien sûr, est très intéressant, mais on voulait faire un focus sur bien ce qui semble être le capitaine, ou en tout cas le capitaine de l'esprit de cette équipe BDS. On l'avait eu en interview hier, c'était vachement intéressant de voir un petit peu tous ses retours. Il faut parler de son évolution en tant que joueur. Spring, Summer, il y a quand même de nouveaux champions qui sont apparus. On va vers un midlaner un peu plus complet et adaptable au niveau de son équipe. Un peu plus support, un peu plus axé sur les shields, axé sur aider vraiment sa composition, donner la capacité de carry à des J-Link, à des Blurzor, justement, comme on le disait précédemment. Après, je trouve ça tout de même surprenant d'avoir totalement laissé tomber les Jace, par exemple, qui fonctionnaient très très bien en Spring. Jace Nidalee, c'est un duo qui peut toujours, je pense, fonctionner pour les BDS. Peut-être aussi un petit manque de confiance personnelle du côté de Xico. Par contre, il arrive à bien transmettre tout de même cette âme de capitaine à son équipe, ce qui est important. Mais en tout cas, il est un peu différent en termes de profil, parce que du côté de Asa et de Scarlett, on n'a aucune envie de jouer en retrait, parce qu'on est vraiment les deux carry de Solari, avec un Elif qui n'a peut-être pas autant de place à ce niveau. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être dans l'arsenal des Solari. Elif au début du split, Gros Lee Sin, et avec Lee Sin, il était impressionnant, il arrivait à carry des games, mais vraiment c'était très très bien ce qui se passe sur la top lane du côté de Solari. Et là actuellement, le vent s'est totalement inversé avec Elif qui joue vraiment beaucoup plus en retrait, le Time Kenshi par exemple. Et le problème, c'est que si t'as ta top lane qui joue en retrait, si tu n'aides pas Elif dans un match-up contre des BDS avec un Aibo, avec la forme qu'il a, c'est peut-être là que BDS peut faire la différence et peut tuer le match. Alors, on a certainement une lane clé ici. Bah, c'est un peu pour moi ces deux équipes qui ont eu un problème d'identité. C'est-à-dire que Chico, peut-être, je trouve extrêmement louable de diversifier son pool de champions, de se mettre au service de son équipe et de se dire que c'est pas forcément par la mid lane que l'équipe doit briller. Mais j'ai l'impression que limite, il y allait un peu à outrance dans ce rôle-là et il s'est trop effacé pour son équipe. Et du côté de Solari, bien, un peu pareil, par exemple, du côté de Elif, j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver où mettre la barre, en fait, sur à quel point je m'efface ou en fonction de la game, etc. Donc, c'est des choses qui vont rentrer. Malheureusement, dans les 5 parties restantes, on a plus beaucoup de temps. Voilà, il faut là maintenant, il faut être sûr, il faut se dire, ok, c'est ce style de jeu qui nous réussit le mieux, on va le prendre parce qu'on n'a pas le temps, peut-être, de développer quelque chose avant la fin, et que le but, c'est d'abord sécuriser un playoff. Ouais, je suis d'accord, c'est un bon intitulé pour ce match BDS Solari, un petit peu deux équipes en quête d'identité. Voilà, on cherche sa personnalité pour pouvoir accéder à ces fameux playoffs. On va maintenant parler, eh bien, du match de la semaine, l'opposition historique française entre Gamers Origin et Vitality B, deux équipes qui, eh bien, se sont partagés des titres de champion de France dans les précédentes éditions de la compétition française. Ils se sont échangés bien beaucoup de rivalités, ils se sont échangés aussi beaucoup de joueurs, chers amis. On peut parler d'anciens comme Toaster, comme Chemek, mais on peut parler aussi de joueurs Smiley, tout à fait actuels comme XD, XD Smiley, et bien sûr Uslin Beast, précédemment au cœur de Gamers Origin, on peut le dire. Hein. Ça joue sur l'ARS, hein, Smiley, etc. Qui a eu des mots forts vis-à-vis de Gamers Origin pour justement taunt durant ce match. Ça va être très très intéressant parce que les botlane en plus, dans ce match-up en particulier, sont absolument incroyables. Et en termes de pronostics, c'est très très difficile, je trouve, ce match, de dire si Vita ou si Gamers Origin va l'emporter. Ah, c'est quasiment de l'ordre du flip. On va regarder les pics clés, les pics qui seront les plus importants à surveiller durant ce match-là. Il y a bien entendu Lee Sin, qui est fortement partagé par les deux équipes, Viego tout autant, Kalista
On a vu Inax s'exercer à la Kalesta et on a vu bien sûr Smiley en abuser limite dans les dernières semaines. Et Aphelios qui est un pic également partagé entre Smiley et Inax, et deux joueurs qui sont extrêmement monstrueux dessus. Aphelios est le pic qui est véritablement partagé, qui va être très important. Là où Kalesta est plus un pic qu'il ne faut pas laisser à Smiley. Alors peut-être qu'on peut le jouer du côté d'Inax, peut-être qu'on peut snowball via cela. Mais on l'a vu aussi hier avec tous les roamings que fait Mersa, avoir une Kalesta qui au final se retrouve à certes gagner sa vie dans ses premiers niveaux, mais après à se retrouver en 1v2 du coup à perdre des ressources. C'était pas forcément ce qu'il fallait faire du côté de Gamers Origin, donc je suis pas encore convaincu par la Kalesta de Inax dans le plan de jeu global des GO. On verra ce soir quel sera le jugement dernier. On avance sur les focus. On commence par Inax. Inax, allons-y, hein, si tu le souhaites, il n'y a pas de problème, mon cher Carnage. Tu peux envoyer. Inax donc, on regarde ces fameuses stats. Alors effectivement, bon, il n'y a pas grand chose à ajouter, hein. On n'est pas loin du pixel perfect. Excellent récemment, on sent vraiment que ça y est, ils sont un peu trouvés les Gamers Origin. Ce qui est assez important, c'est vrai, c'est de laisser un peu de mouvement côté Mersa. On a besoin, il joue très très bien avec la jungle, il a montré des choses extraordinaires ces derniers temps, hein. C'est vraiment le support en Vogue, je pense, en LFL, et on se pose beaucoup de questions sur sa capacité même à grossir encore plus. Donc c'est vrai que l'équilibre est tout de même fragile, parce que derrière on va jouer contre peut-être la meilleure duo lane. Alors on disait on que c'était celle des, Misfits, mettre mais celle des Misfits, justement Euslin a dit en rigolant que bah, c'était pas forcément la meilleure. Et c'est un animal, hein, Smiley, hein, cette saison. Et du coup il est trop fort, donc est-ce que vraiment Mersa va avoir de l'espace? Et c'est un peu ça qui me fait peur pour Gamers Origin, moi. Ouais, Smiley et Oslin sont très très bons actuellement, ça va encore une fois être pas mal sur la draft. Je pense qu'on veut absolument mettre Oslin sur un champion de confort pour pouvoir agresser. Après on le voit sur FEC Kalesta, Smiley est absolument excellent et je pense qu'il est encore en train de passer à un autre niveau actuellement sur cette seconde partie de summer. Il joue de mieux en mieux, il se trouve de mieux en mieux avec son équipe. Vitality Beast a l'air d'avoir vraiment bien matché entre les joueurs. Il y a une espèce de vibe contrôle de macro early game qui émane des Vitality. Ça rappelle un petit peu ce qu'essayent d'orchestrer des équipes comme Rogue en LEC ou ce genre de choses, de plier la game juste par des prio bots, des rotations qui sont clean, etc. Là, on n'en discute pas forcément, c'est peut-être de Diplex. On ne parle pas forcément assez de lui sur la mid lane du côté Vitality. Il vient d'avoir 18 ans, parce qu'il vient d'avoir 18 ans, son anniversaire, si je ne m'abuse, et qui joue super bien aussi. Mm-hmm. Et du coup, on n'a que des lanes qui sont tellement dominantes du côté des Vitality que c'est difficile de tenir pour les équipes qui les jouent. Comme il y a beaucoup de lanes, on va s'intéresser à la jungle. Je pense que c'est tout à fait lié. Alors, on a on a bien sûr un énorme match-up aujourd'hui. Deux joueurs qui vont avoir la mission de sublimer le colossal talent déjà certains de leurs solo laners, mais surtout de leur bot lane. Et ici, des styles qui sont quand même, je dirais pas opposés, mais Skins a au moins la facilité de jouer un personnage qui farm tel que Diana. C'est vraiment le premier exemple qui vient en tête, tandis que du côté de Karim, on est vraiment dans l'agression permanente avec le duo avec Mersa qui commence à se préciser. C'est le style Gamers Origin, c'est-à-dire qu'il y en a un, on fonce, on attaque, on agresse l'early game, on snowball. Là où je trouve que Vitality a peut-être un panel de stratégie un peu plus élevé, et donc ils vont pouvoir s'adapter. Je pense qu'ils ont, parce qu'en Super Week c'est dur de bien préparer tous les matchs. Bien sûr. Je me demande justement quel visage va prendre Skins. Est-ce qu'on va rester dans quelque chose de très farmy, très contrôle pour Vitality, ou alors on va répondre à l'agression Gamers Origin et quelque chose d'assez costaud? Je pense que Vitality a le choix, là où Gamers Origin ne l'a pas forcément. On regarde la jungle proximity par la même occasion pour pouvoir illustrer un petit peu tout cela. La proximité qui est la plus marquante, c'est celle bien sûr de jungle mid, jungle sup du côté des Gamers Origin. C'est là où la différence se fait. Oui, c'est la différence se fait et c'est là où le jeu rapide se fait, tout simplement. C'est ce trio qui mène League of Legends actuellement en termes de mid-game. Et du coup, je me pose la question si les Vitality vont avoir un certain plan, vont essayer de contrer cela et avec quelle manière. Soit on prend des lanes qui sont super dominantes et du coup on empêche le roam, soit directement eux aussi vont roam et eux aussi vont aller des skins. Mais on ne peut pas laisser skins en 1v2 dans sa jungle, parce que si on shut down skins, Vitality ça joue quand même beaucoup moins bien d'un coup. Tu parles de 1v2 dans la jungle, on va regarder la hitmap justement de ce premier quart d'heure. Jungle support, mesdames et messieurs. Il est partout. Sont absolument partout. Et là, on voit que côté Vita, ça joue actuellement beaucoup pour la duo lane. Hein. C'est tout à fait vrai. Ça joue même plutôt les lanes tout court en réalité. Oui, ça stompe les lanes. Skins outfarm en général, arrive à prendre des camps en face parce qu'il a une belle priorité. Et ça joue juste sur un snowball de gold des plus classiques en réalité. Là, au Gamers Origin, ça joue de la mobilité. Ça joue un petit peu le style chinois, LPL, on dirait. Mm-hmm. Où vraiment tout le temps des escarmouches, tout le temps. Et on le voit en termes de kill, de présence, juste. C'est un délire. Ce sont de véritables bains de sang. Et donc, ça promet bien évidemment au niveau de cet affrontement. Qui sera, si je ne m'abuse, le quatrième de la soirée, mais on va le revoir tout de suite avec les pronostics, puisqu'on va passer un petit moment dessus pas pour facile, apprécier hein. Ma position
ma position de bon dernier, position de premier pour Chips. Twitter dans la mélasse. Ah, t'as quelqu'un qui est plus nul que Tréton et moi. Incroyable. Oui, tout à fait, c'est moi. On est les trois plus nuls des pronos. Oui, c'est nous, et on fait le pré-show. Ah, ça m'est très très important. Je suis très surpris du fait que personne n'ait mis soir, et j'ai vraiment hésité entre Solari et BDS. Alors j'avoue que les plateformes est plus pour BDS, hier, même. Twitter hier, a osé. Le truc, c'est que hier, j'aurais pas eu le match d'hier, j'aurais tous les jours parié pour Solari, mais hier, Solari a vraiment pas réussi. Et là où BDS a été plutôt pas mal, et c'est ce qui m'a décidé, moi perso. Je peux comprendre ce choix, et le truc, c'est moi qui tenton. Le Game Ward sur le Carmet Corp. Et après, c'est bien parce qu'on pourra se départager encore une fois. Parce que tu as mis Vitality et j'ai mis Gamers Origin, donc ça va être intéressant en termes de pronostic. Ah, je suis bien d'accord. C'est vrai qu'on est les deux qui avons osé. Hein. Le Vitality Geo, il est pas facile. Hein. Le Vitality Geo. BDS Solari, il n'est pas censé être facile. Je suis bien d'accord, mais les BDS ont convaincu. Écoute, juste Twitter qui pourra peut-être bomber le torse si jamais ils sont les seuls à avoir le bon pronostic. C'est tout ce qu'on vous souhaite, mais si vous pouvez perdre, c'est quand même cool pour notre crédibilité. Bien entendu, merci messieurs pour ce fabuleux pré-show. Il était tellement fabuleux que j'en ai oublié l'affiche qu'on va déguster en première position. LDLC contre MCS. Heureusement qu'il parle fort. Quel élève assidu. Quel élève assidu. Félicitations, Tréton. J'ai pas d'oreillette et je l'ai tout simplement. Non, c'est vrai, tu es le futur du casting français. Je te félicite parce que ta mémoire fonctionne encore au-delà de notre âge grisonnant. Et tu es ébloui par les spotlights. C'est le public qui te félicite. Ah ouais, bah super le public. Merci les frérots. LDLCOL contre MCS, c'est dans quelques instants sur OTP pour ouvrir la troisième journée de cette sixième semaine Super Week qui se termine ce soir. À tout de suite sur OTP. Vitality, on montre une certaine constance. On peut parler de top 1 égalité maintenant avec, égalité, avec la Carmine dans la ligue. On enchaîne le Red Buff. Oh là là, avec l'auto-attaque et on viendra récupérer le kill. 4-0-4 pour notre ami Skins. 100% de kill participation, Tréton. La semaine qu'il fait de LFL est vraiment illégale pour le coup. Potentiellement, quoique Smiley est encore en vie. Skills de Smiley qui donne absolument tout. Skills qui continue, Skills qui récupère un nouveau corps et qui doit maintenant s'extraire de la croque. Incroyable! Un 14e! Beta kill! Pour Skills! Gamers Origin, il y a quand même un standing à respecter et ils ont tout à fait l'air d'être back on track. L'éruption solaire en plein milieu, Sterfus a pris beaucoup de dégâts. L'arrivée de Shlatan, est-ce que ça peut suffire avec les dégâts de cette Diana? La fatigue positionnée, on va devoir partir. Karim qui ne s'arrête pas et le doublé de Karim. Par contre Cabo qui va se prendre la partie la plus ultimate. On s'est fait découper du côté de Carochard et Inax. Ça passe complètement, Xpati qui va tomber lui aussi. Et je crois bien que les gars. On a un nouveau bad boy in town, effectivement, Gamers Origin. C'est 4 victoires d'affilée et un 2-0 cette semaine. Gamers Origin sont là, ils ont faim. I really think that we're gonna be the best team in ERLs when the split is over, so that's the goal always. Directement ici de la part de Slid, on vient complètement lock steal back qui va tomber. Est-ce qu'il peut récupérer un de l'autre côté? On a SLP en train de découper Asa. Quel travail de la Gwen de l'autre côté qui ne va même pas mourir. The game de Ryze et Smiley qui vient clean up le fight. Mettons. Ronaldo peut-il faire la différence dans la mêlée? Les dégâts sur Sylam, sur Ronaldo qui récupère les kills, qui peut enchaîner avec une âme de Varus ici qui enchaîne parfaitement sur Special, qui lui aussi va tomber. Triple kill pour Ronaldo.
Ouverture de cette soirée de LFL, mesdames et messieurs, LDLCOL contre MCES. Et j'avais oublié les éléments les plus importants du pré-show, bien sûr, les prestigieux Zaboutine et Robala seront là ce soir. Zab, fait plaisir. Enfin. Home. Ah, je suis content. Je peux commenter, non pas ton club e-sport. Mon club e-sport. Ouais, nos clubs e-sport qui sont là, mais mesdames et messieurs. Alors, deux, bien sûr, trajectoires dont on vous a parlé durant ce pré-show. Les LDLCOL, bien sûr, cette saison se passe merveilleusement bien. Les chances sont excellentes pour accéder aux playoffs pour MCES. On commence à basculer dans les scénarios de plus en plus compliqués à réaliser. Bah, il faut gagner aujourd'hui. Faut gagner. Hein. Je pense que là, de toute façon, ils sont pas trop le droit à l'erreur, les joueurs de MCES. Bon, ils font un summer split satisfaisant par rapport aux attentes. Voilà, d'accord. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de honte à dire que quand on rentre en summer split, si je te dis MCES est quand même en lice à ce moment-là de la saison pour pouvoir potentiellement faire un play-off, tu m'aurais peut-être rionné. J'aurais eu peut-être du mal. Hein. Ouais, t'aurais peut-être eu un rictus. Et regarde, bon, 4-9, c'est pas idéal, mais c'est déjà une équipe qui joue. Alors on va voir, écoute, je trouve que c'est intéressant en tout cas d'avoir assemblé ces joueurs-là et d'en avoir fait une équipe. Tu vois, c'est pas seulement 5 joueurs MCES, ça joue quand même assez Ça marche. Il y a de la personnalité, il y a des points d'ancrage qui sont utilisés de manière cohérente pour avoir des conditions de victoire. Non, clairement, il y a tout dans ce projet. Tout ce qui manque, c'est des wins pour accéder au top 5. Exactement. C'est une mission difficile, hein, tout de même. Il faut vraiment pas réduire. On jettera pas l'opprobre si jamais tu n'y arrives pas. Ouais, clairement. Pour moi, déjà, là, 4 victoires, un split bien meilleur, un visage. C'est, on va dire, c'est quelque chose qu'on attendait de la part de MCES. Et bon, bah écoute, on va voir, notamment dans ce match un peu coup près. Même pour LDLC, c'est pas un match qu'on peut appeler coup près, mais c'est un match qui est déjà décisif. Parce qu'on n'a plus beaucoup de games, parce qu'on dit qu'il en reste 5. Exactement 5. Et dans la plupart des agendas, il y a des équipes qui occupent le bas du classement, MCES, Easy Dream, sauf les Solari qui n'ont plus ces matchs-là pour leur fin de saison. Ouais. Donc qui ont peut-être une mission, enfin une route semée d'embûches. On voit comment la draft évolue. La Lilia Mid jouée hier par partenaire. Effectivement, a donné lieu à un petit ban parce que c'est un flex aussi avec Bukada. On a Luzix, on a la Gwen, Irelia. Quand je vois des bans dont on parle en pré-show, je me dis que je fais bien mon travail. Non, mais c'est clairement bien anticipé et j'aime beaucoup ce premier pick pour LDLC, Twix. On va récupérer Thresh, donc on va pouvoir activer c'est le pick d'Aphelios. Il est resté là. Qui est pour moi le meilleur champion dans les mains d'LDLC. Je sais qu'il y a cette Kalista. Oui. Et je pense que LDLC peut perdre un early, tu vois, ça peut leur arriver, ça leur est arrivé avant-hier contre les Gamers Origin par exemple. Dans cette configuration-là, j'ai l'impression qu'ils ont une garantie de late game qui est hyper rassurante et qui leur permet de jouer un peu libéré et de mieux jouer. Donc j'aime beaucoup ce premier pick de Thresh. Je comprends, c'est intelligent de jouer les matchs les plus tendus sur des fondamentaux solides. Hein. Finalement, on va voir si les MCES ont la même approche. Attention, il y a un Viego, on peut en faire ce qu'on veut pour l'instant. Le Viego Nidalee qu'on avait vu, je crois, c'était chez Géo. Oui. C'était Géo. Karim avec sa Nidalee, il me semble bien. Oui, oui. C'est ça. Bon, on va regarder. Finalement, ce sera un Nautilus. Un Nautilus contre Thresh. On match et puis on prend un DOP du patch qui est Viego. C'est jamais une mauvaise décision. La réponse là, ça pourrait être, étant donné que Lee Sin est ban, il va falloir partir sur un champion peut-être de jungle. Il y a Xin Zhao d'open. Ouais, c'est Xin Zhao ça, c'est Xin Zhao Leblanc. C'est vrai que Xin est totalement Xin open. Il y a une Leblanc qui a l'air c'est assez Exodia. Costaud. Peut-être Exodia. On va choisir de sécuriser le Aphelios. Je pense que là, le Xin Zhao rend la game vraiment très très dure pour MCES. Alors, Xin Zhao ou Leblanc? Eka et son Zed. Il le joue bien, il a un super bon Zed. Eka qui flex. Ouais, le blanc, je suis assez chaud, j'aime beaucoup là, le blanc de Eka. Ah, et puis c'est le meilleur, c'est un des meilleurs midlaners du patch, il n'y a pas grand chose. On attend le re-up de Syndra. Et le Xin qui sort pour Donnart. Attention quand même en face, j'ai hâte de voir la réponse de Bukada parce que Bukada, c'est du magma vraiment ce jungler. Hein. Mais je trouve que Bukada est très sous-estimé en tant que joueur. Je trouve qu'il est incroyable. Il fait quand même des games relativement bonnes, il a un bon champion pool. J'aimerais bien le voir dans un projet sportif où on peut jouer un peu pour lui. Bah tu vois là Leblanc forcément réponse. Tu vas pas laisser Xin Zhao Leblanc à Aphelios Thresh qui à un moment donné bon. Il faut les ramasser. T'as eu le fruit quoi. Donc maintenant qu'on a Locke et bien bon une bot lane et un jungler avec de l'autre côté. Bah, le Viego, est-ce qu'on l'attribue à la jungle déjà ou c'est trop tôt? Il y a de grandes chances que parce que. Viego Leblanc Viego, ça va vite quoi. Ça va, il y a un stun, il y a un petit peu de brouillard, il y a un bon combo, bon ça marche quoi, il y a un follow-up sur la très, chaîne. Très fort. La question c'est quel champion pour LDLC?
EK pourrait nous sortir une Lissandra. C'est pas un bon match-up parce que le champion est vraiment pourri. J'ai vu cette réponse en LCK avec les Kitty Rooster, si je me souviens bien, le midlaner Dove. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Lissandra était très très forte en 2019. Très 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 forte. Et ils se sont dit, c'est pas possible qu'un champion soit aussi fort avec un ulti point-click. Donc ils ont nerfé son wave clear et depuis, elle est vraiment pas forte. Mais ça reste un champion qui, historiquement, est bien contre le blanc. Il y a TF aussi. Parce que bah, quand t'es court dessus, tu peux proc ton Aftershock avec ton W, ton Q et puis trade back. Très bien. Maintenant, et ça va très bien avec Xin'Zhao au niveau 6, voilà. C'est assez simpliste, effectivement, comme combo. Mais aucune de ces deux... Enfin, en tout cas, pas le tout set fait sera indisponible, et Galiou, malheureusement. Galiou aussi, c'est une bonne réponse. Alors, il y a Maokai mid, personne ne connaît. C'est moi, tu sais, avec mon laboratoire, en train de bosser sur des trucs. Miss Fortune, bah, c'est vrai que l'an dernier c'était le match-up de référence contre Aphelios. Bah écoute, pendant quasiment le premier trimestre, c'était Miss Fortune Aphelios à toutes les games. Ça va être full l'état, tu penses? Ou un build un peu plus traditionnel, crit, scaling, bang bang. Je vois bien un build petite létalité. L'état, ouais. Ah ouais, écoute, c'est spectacle. Après contre Xin'Zhao, c'est pas... Syndra Leblanc, alors il est dur ce match-up. Il est dur pour Leblanc, il est dur pour Syndra parce que normalement le fondamental du match-up, c'est que sur les premières waves t'es censé stack des waves et la poke, mais t'as plus de mana. Le problème de Syndra, c'est qu'elle peut plus réaliser sa fonction première, qui est de gagner la lane en pokant, parce que si elle poke, elle a plus de mana. Ouais. Et donc elle est obligée de garder son mana pour être sûre de crash sa wave. Et du coup c'est un pick qui est beaucoup moins puissant, mais il va y avoir un up. Et ce jour-là, prochain patch. Et ce jour-là. Trembler. Il y a beaucoup de... Bah, je pense que la tier list mid lane va en prendre un coup. Syndra numéro 1. Syndra numéro 1, très logique. Alors, on terminera pas par un Rammus, mais probablement un 7. Un 7 qui nous emmènerait à la top lane contre une cette petite Poppy, là. De une petite Dana. Poppy. Oh non, c'est un croco, c'est un Renekton. Bah écoute, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup d'AD sur le top jungle. Et c'est bien vrai. C'est le seul défaut de la compo MCES. J'aime beaucoup, je dois avouer que j'aime énormément la réponse Miss Fortune à Fedio. Je ne connais pas l'état du match-up aujourd'hui. Tréton pourrait probablement mieux nous renseigner, mais a priori c'était une réponse historique, donc ça ne devrait pas être si mauvais que ça. Et on a des compos qui sont très homogènes, je pense que ça va être un bel affrontement, Twix. Je suis bien d'accord, les compositions sont assez équilibrées. La tradition veut que les games MCES tendent à pousser vers une petite demi-heure de jeu. On pourrait avoir... 30-35 minutes de plaisir dans cette affiche. Il y a des arguments de scaling qui sont extrêmement solides. Après, il y a le un peu plus solide côté ADLC peut-être. Il y a le Aphelios, il y a la range de Syndra. Camille aussi. Mais il y a Viego. Voilà, il y a la Vieg en face. Et il y a une petite Leblanc quand même qui a un scaling tout à fait menaçant. Malgré non, non, Leblanc qui est un excellent champion. Et il y a Riot qui a complètement transformé l'identité du champion. D'un champion qui avait des dégâts de base énormes et beaucoup de pression en early. Vers quelque chose qui est beaucoup plus qui scale linéairement, quoi. Et maintenant tu peux vraiment one shot quelqu'un en late game sans avoir trop de problèmes. Je pense que c'est un choix discutable parce que j'aimais bien ce côté très early game de Leblanc, mais ils ont une compo justement de par ce scaling qui est très utile en late game. Ça, tout va dépendre de cette ulti Nautilus Miss Fortune. Et on va voir si les choses bien sûr ne s'animent pas dès le niveau 1 avec des supports qui sont capables de proposer, mesdames et messieurs. À vos croquettes, évidemment, misez, car LDLCOL contre MCES, ça commence tout de suite. Ah, il n'y a pas de bumper? Merci beaucoup. Bon, il y a une pause. C'est sympa, Carnage. Il me l'a dit, j'ai besoin d'un témoin. Non, théorie, ça s'est fait vraiment comme ça. Il y a le bumper. Non, il n'y a pas de bumper. Voilà. Voilà, et donc du coup, il a dit, il y a le bumper, je lance ma phrase. Ouais, et là, non mais c'est pas grave. Voilà, merci, parce que... On est entre nous. De temps en temps, on dit que je fais mal mon travail, mais ils savent pas les conditions. Est-ce qu'on est bon du coup maintenant, Carnage? Non mais c'est honteux. Bah, ah. Laisse-nous voir la pause. Laisse-nous voir la pause. Mais non, mais exactement. On veut voir la pause, on veut voir l'écran gris. Donne-nous la pause. Ça nous fait plaisir. Le chat veut voir la pause. Donne-nous la pause. Donne-nous l'écran de pause. Il ne veut pas. Ah, c'est fou ça. On n'est pas respecté sur le lieu de travail. Moi je suis complètement... Ah, on y va ? J'ai pas confiance. Bon, allez, LDLCOL contre MCES, c'est maintenant. Ok, c'était pas fou. donc voilà, une bien belle pause. Alors, on peut observer des choses intéressantes. Les joueurs qui sont le plus rapides pour acheter leurs objets. Ouais. Ouais, non, puis on a peut-être pu parler des runes, on a peut-être pu parler des summoners. Mais remets
On veut la pause. Je comprends que Twixous soit très beau, mais... Très bien. Après, on sort, mais on sort à la fin. Donne-nous des billes. Donc là, on voit... Est-ce que tu vois un truc qui saute aux yeux? L'étal tempo Aphelios, quand même. Ouais, ouais, il y a ça, pas Conqueror. Non. Electrocute Match Up Need. Ah, l'Ignite sur Danan. Tout à fait, c'est passé à travers. On a quelques starters. Merci pour les la Goldif, c'est la stat de carnage. Pour l'instant, zéro égalité parfaite. On dirait une game de LCK à 15 minutes. C'est tellement vrai. Ouais. Tellement vrai. Donc je disais, les dégâts infligés, évidemment. C'est fou ça. Est-ce que tu peux afficher les deux en même temps? Les deux en même temps, ouais, avec l'écart gold. Oh là 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 là. Regarde le maître des stats. Ah, mesdames et messieurs, tu fais tout ça avec la barre espace, carnage? Allez, montre-nous un peu de quoi ta barre espace est capable, carnage. Montre-nous. Impressionne le public français. Waouh, waouh, wow. Les match-up. Ah. Ça avance de partout. Hein. Oh là, ils en prennent plein les yeux. Hein. C'est vraiment. C'est magnifique. Le point croquette, non pourcent. Les sbires tués. Tout. Il y a tout. Il y a tout dans cette production. Avec un seul bouton. Exactement. Avec un seul production, il fait suer la production de Los Angeles. Du coup, petite pause. Il y a les photos qui tournent. Ouais, non, c'est, bah, tout est parfait. C'est propre. Ah, c'est Manuel, il a une pédale, il nous dit. Il a une pédale, ouais, à ses pieds, et il appuie, hop, ça change les photos. Écoute, Garnage, c'est très impressionnant ce qu'il propose en 2021. Le game a véritablement step up. Est-ce qu'on a une info sur la raison de la pause dans... C'est pas qu'on s'amuse pas, hein, bien sûr, mais... C'est qu'on a très envie de voir le match. Juste savoir s'il y a quelqu'un qui a un petit problème. Ah, les settings auraient reset pour un joueur... un joueur qui sera maintenu secret. Très bien. C'est bien. Pour sa protection. Pour sa protection, bien sûr, sa protection civile. On est d'accord. Alors, on a un petit peu de chat. Marketeur, ah, c'est plus lui, hein, Exakik. Hein. Marketeur, il est sur une autre mission. Marketeur, il est là pour nous faire un MMO. Il est en train de faire un MMO et on espère qu'il fait très très bien son travail. Ça serait plaisant quand même. Hein. Regarde. Adieu le monde des vivants, au cas où ça passe, quoi. Ouais, bah ouais, bah écoute, on commentera sans toi. Je disparais. On continuera sans toi, cette aventure. Je serai un Yordle de niveau 170. Ouais, surpuissant. Mage surpuissant. Un mage complètement surpuissant pour ceux qui possèdent la référence, bien entendu. Mon cher Zab, la soirée commence. On est dans le match. C'est parti, LDLC MCES. Un affrontement, comme on l'a dit, plein d'enjeux pour les deux factions. Aucune équipe ne peut vraiment se permettre de perdre. On va dire encore plus MCES qui sont quasiment au bord du ravin si jamais en cas d'échec. Mais voilà le DLC qui doivent confirmer leur bon état de forme de deuxième partie de saison. Ah, c'est le genre de match, vu leurs résultats récents, où on peut s'attendre à ce qu'ils le ramènent à la maison aussi bêtement que cela. On voit les runes des demi laners. Ouh, Electrocute sur Syndra. Mais moi, je vois Relentless Hunter surtout sur AK. On va gagner de la move speed hors combat sur les participations. Ouais. Plutôt que Ravenous Hunter. Oui, mais écoute, je n'ai pas de réponse. Une Syndra qui bouge. J'aimerais annoter pour l'interview de fin de match. Clairement. Pourquoi Relentless Hunter, ouais. Avec notamment le filtre de chrono distorsion. Et donc, du coup, MS maximisé. Nous avons une nouvelle pause. Alors que Dan rentre dans ce petit buisson. Mm-hmm. Bon, se déplacer rapidement. Genre là, faut nous aider. Hein. Ah, les gars, est-ce qu'on peut avoir peut-être les carreaux gold au cas où il y a des choses qui auraient changé ou des choses comme ça? Non, on est sur exactement les mêmes stats. Ah, on a joué 84 secondes quand même. Hein. Ça, c'est une stat. Hein. Comment ça, c'est pas 124 secondes? Bah oui, il y a 100 secondes dans une minute, c'est bien évident. C'est une référence parce que en LCK on avait eu le chat, tu sais, le chat qui est parfois troll, parfois qui a des difficultés avec des lectures de chiffres de base. Il me disait la fameuse game de T1 où on était à 111 minutes, enfin on était là en mode 1h11 quoi. Bah 1h11 quoi. 1h11. Ah, oui, ça m'a absolument détruit. Toujours ces problèmes de settings, j'imagine, cher Carnage. Ah là là. Très bien. Bah, c'est dommage de tomber sur le joueur qui a le Q-spell sur le click molette et avec les configurations bien spécifiques, il fait des pignes avec le pavé numérique. Avec le joueur de trackball peut-être. Ouais. On en a plus aujourd'hui. Hein. Ah, il y en a plus. Ça, c'était Kerp. C'est ça, exactement. Il y avait, aussi, comment il s'appelle, il y avait un joueur Solari, je crois, qui joue en trackball, non? Peut-être, ouais.
Je me souviens plus. Il faut profiter des gens de Dragon Ball parce que dans 30-40 ans, il n'y en aura plus. Est-ce qu'il va y avoir, tiens, puisqu'on peut aller hors sujet et qu'on est sur le délire de la Dragon Ball, plutôt que de voir des moyens alternatifs, le moyen du futur pour contrôler tes sortilèges, est-ce que tu ne penses pas qu'un jour, on aura un gant, genre un gant. Il y a pas mal de mecs qui ont essayé, quand même. C'est vrai que... Tu voudrais pas lancer un Q-spell de S, genre... Genre... Ouais, genre t'es un peu Iron Man, quoi. Mais tu le lancerais comment? Tu le lancerais une motion comme ça? J'imagine que sur ton kit, il faut faire des choses, tu vois. Il faut, par exemple, le Q-spell, c'est vers l'avant, le transfert arcanique, c'est peut-être vers le haut ou vers le côté. Genre, ouais, tu mets deux bras comme ça sur le côté, genre, ouais, après, et tu téléportes. Il faut faire attention à ne pas daber quand même, ça peut être très dangereux. Comme, non, mais bon, ça va, on n'est pas en 2007. Hein, Non, justement, j'aurais peur. Mais voilà, c'est des discussions de mangeurs de cartes graphiques, hein, mesdames et messieurs, on aime les barrettes de RAM. Enfin, les clés USB, tout ça. Et dès que c'est soudé, moi, ça me fait rêver. Ça me parle. Ça me parle. Bon, bah écoutez, je suis en mode... Alors, c'est ça, la vie de chips? Alors, normalement, on a une bonne étoile. Une ward enlevée. Mais une ward enlevée, effectivement, donc les carreaux gold ont fait déjà la différence au niveau de Dandan. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on allait pouvoir bientôt faire appel à notre troupe de joyeux monteurs de meubles. On a des projets en stand-by. C'est toujours bien ça quand il y a trop de cubes. Donc ils l'ont échappé belle, sachez-le. Pro les carreaux gold qui est exclusif. Bah c'est fini là la game, non? Ouais. LDLC est largement... 0.12 d'avance. Allez, on va quand même partir sérieusement. Oh, attention, c'est l'all-in. Ignite. Le problème c'est que maintenant ça va être un crash de wave pour Dandan. Je vois pas comment Doxy. On n'a pas le choix. Alors, ce qu'on veut faire, c'est certainement le dive avec la collaboration de Donnard. Le problème, c'est qu'il est en train de passer vers le bot side. Est-ce qu'il a une option de passing? Non, il n'en a pas. Non, il n'a pas d'option là. Après, c'est normal, il va jouer pour son Aphelios. Hein. C'est, le plan de jeu, c'est, normalement, c'est Camille sur une île avec Renekton. Et on va jouer en se projetant vers Aphelios pour justement couper la duo lane TG et Moops. Et aussi pouvoir donner un maximum de ressources à Exaki. Toujours bien sûr l'objectif central de cette game. Faut clear. On va voir parce que le clear de Bukada, donc il nous fait double buff into passing top. Donc lui il veut plutôt jouer sur le rebond de Doxy. Certainement. Et le scuttle topside bien évidemment. Cheater recall pour AK. On a réussi à... C'est très bien à ça. Raser cette wave et à isoler un petit Dark Seal. C'est excellent. Normalement le matchup est très difficile à partir du moment où la Syndra peut revenir comme ça avec son Dark Seal. Là le blanc n'était pas en mesure de contester. Et on part sur des full clear. C'est assez rare quand même. Hein. Bon, Viego c'est assez compréhensible. Mais on a quand même tendance à avoir des Xin Zhao un peu plus agressifs en début de partie. D'ailleurs, en parlant d'agression, elle va partir sur ce topside. Dandan qui est pris la main dans le sac, tout simplement. Dandan, mauvais moment, mauvais endroit. Très bonne lecture de Bukada qui va pouvoir transiter sur ce petit carapateur avec un hookshot. Je suis assez étonné finalement de l'état de la lane pour Dandan parce qu'il a quand même un ignite d'avant sur son adversaire. Il n'y a pas eu de bounce. Donc soit il a continué à push un peu machinalement sans anticiper où pouvait être le jungler adverse, soit il a mal géré son crash et il n'a pas réussi à crash contre le Renekton. Peut-être qu'il pensait que c'était un passing top to bot de Bukada, hein, c'est tout à fait possible. Ouais, peut-être, mais bon, c'est quand même... Il n'y a pas de ward, donc j'aurais pensé quand même qu'il avait la possibilité de se laisser bounce, tu vois. Comme l'a fait, tu vois, Eka où il a crash la wave et il a pris un cheater recall. Toujours plus agréable en tant que Camille que d'avoir toute une lane pour chase, hookshot, balayage tactique, etc., etc. Petite vision posée un peu plus deep par Doxy. Et ce match-up mid lane, l'impression qu'il n'y a que cette Syndra qui joue en fait finalement. Non mais pour l'instant, après de toute façon il n'y a pas de... J'ai l'impression que c'est deux drafts qui se neutralisent très fort. Après il y a quand même eu ce premier kill hein, assez tôt dans la partie, donc c'est déjà ça. Mais c'est pas des drafts très explosifs de part et d'autre. Et là on voit Exaki, très très bon travail. Exaki qui est dans un état de forme remarquable sur cette partie de saison. Il est très très chaud effectivement, ce sprint fait peur entre ses mains. Gros crash à l'Infernum, on avait un back plutôt pas mal au niveau de TG. Et on peut voir la différence par contre d'items sur le topside. On a une pickaxe contre un Kull. Et là, c'est dur. Hein. Ça devrait se sentir. Hein, après, au niveau du farm. Au niveau du farm, il n'y a rien. Il y a 35 à 20, quoi. C'est énorme. 15 CS d'écart, c'est plus de 2 waves. Je suis assez étonné. Après, la Camille, je crois, elle est en train de slow push, donc il devrait récupérer une grosse partie de ce. Je crois bien. De ses ressources. Oui. Ouais, c'est ça. Et avec une petite. Allez, Xin Zhao, il faut venir lui dire bonjour à Doxy.
Ouais, si on peut lui deny cette énorme wave, ça peut le faire. Il est pas négatif sur Renekton, il a son flash effectivement. Et Tonnerre est en train de crash une wave, donc Tonnerre a son TP. Allez, on y va. Ignite qui est tag. Ça disengage. On a loupé le hookshot. Le dernier coup de tourelle. Le flash de la part de Doxy. Le stun, la tourelle qui participe. Est-ce qu'on a le doublé pour Data? Oh, oh, c'était si close. Mais on s'est bel et bien cassé les doigts. Ah là, il y a des métacarpes qui ont sauté, Twixu. Aïe aïe aïe. Il y a des métacarpes qui ont sauté sur ce dive avec Dandan qui commence vraiment tôt. Et Donnarz qui peut pas le rejoindre suffisamment précocement pour venir prendre le kill. C'est probablement la trackball. Ouais, bah ça arrive, hein, tu sais. Je ne jetterai jamais la pierre. C'est move, c'est ma spécialité. Petit dragon. On va revoir ça. Et ce qui est très étonnant en fait, c'est qu'ils viennent au contact alors que Donnarz est toujours pas tu vois, en mesure de mettre des dégâts à Doxy. Et après, il rate son E. Et ça, c'est vraiment dommage. Et derrière. Là, j'y ai cru pendant une seconde, hein. Ouais. Mais bon, ça fait quand même les affaires de LDLC. Hein, parce que même si Doxy. Même si Donnarz meurt, il y a quand même une wave qui était en train de crash. Une énorme wave. Et on regarde au niveau des CS, mais on a quand même 42 à 34. Et en termes d'XP. On est sur le même niveau. Hein. Ouais. C'est quand même assez étonnant qu'il ait le même niveau. Mais il doit être un bon demi-niveau d'écart quand même. Hein. Je l'espère, parce que sinon c'est vrai que il y a pas grand chose à tirer de toute cette action top lane malheureusement. On observe qu'il y a une pink ward qui est placée derrière au niveau des Krux. Un peu original. Ouais bah c'est... non mais en plus elle est visible cette ward, non? Mais oui, elle est sur la lane, genre en mode brutal. Ouais. Ce serait dommage. On voulait l'info, oui. Quoi. Qui a un TP, mais après il n'y a plus de TP sur Syndra, donc à moins que Camille TP derrière. Pour prévoir le play le plus créatif de l'histoire de League of Legends, ça devrait pas avoir lieu. Oh, ça c'est plutôt 30 goals pour Bukkada, hein. Ouais, a priori. Je pense, il va se mettre très très bien le jungler des DMCES, qui a une petite avance sur ses clears forcément. Il n'est pas aussi actif, même si en termes de scoreboard, l'agression de Doxy, très bon shield. Sur Dandan, c'est très bien joué de part et d'autre. Bon, c'est un match-up de toute façon qui est vu et revu cette année de la part des top laners. On l'a vu à maintes reprises. Et on va juste prendre le cône du côté de Bukkada, prendre l'information, casser la ligne de vision. C'est une ward qui est très importante pour la pression. Il y a du monde, hein. Ouais, effectivement, il y a du monde. Il y a Tonnerre qui est en train de décaler l'idée dans cette jungle. On a des projets pour Dandan, mais cette fois-ci le hookshot. Je pense que il n'y a pas trop de danger. On lui deny la wave, un maximum de wave. Ouais, Doxy qui dodge très bien. C'est le tout le cœur du match-up entre Camille et Renekton, c'est le E de Renekton sur le E de Camille. Mm-hmm. Et bien évidemment le Z de Renekton sur le shield de Camille sur le passif. C'est les deux clés qui font qu'en le face de lane, c'est un match-up qui est assez sportif et assez difficile à manœuvrer pour la Camille. Et on l'a vu là, il a très très bien joué le top laner de MCES. Faites mal. Et on revient quand même, on arrive à récupérer la wave pour Dandan, ce qui est super important parce qu'il est en train de se faire proxy. Donc on a eu un décalage mid-jungle juste pour couvrir cette wave. Regardez ça, Dos qui a réussi à pull une fabuleuse vague de minions. Alors ce qui me perturbe, c'est que on avait TG et Moops qui étaient littéralement dans le side push, donc qui auraient pu all-in ce trash, mais qui ont décidé de ne pas le faire, peut-être parce qu'ils ont un autre projet, et ce projet s'appelle Héros de la Faille, visiblement. Ouais, mais je pense que c'est très très bien, c'est des compos qui se valent, mais je dirais que je mets toute petite mention pour le Syndra Aphelios dans late game, et je pense que c'est intelligent de la part de MCES de récupérer des objectifs neutres qui leur donnent un peu plus de... qui accélèrent un petit peu leur game. Et regarde, ils perdent pas grand chose. Bon, ils se font freeze. C'est un freeze, hein, quand même. Hein. L'écart en CS commence à se préciser sur la botlane. Pourquoi c'est Miss Fortune à la pura sur R? C'est vrai. C'est pas aussi important, hein, quand tu joues Miss Fortune. Je vais pas dire que c'est les items sont pas importants sur Miss Fortune, ce serait une idiotie, mais... Mais déjà, ils sont moins chers et ils spike plus tôt. Exactement, donc... je pense que la Miss Fortune aura de l'utilité dans cette game, quoi qu'il advienne. Exakik, lui, doit avoir un farm absolument parfait. Parce que c'est assez... c'est high maintenance. C'est ce que font les Aphelios. Hein. Ouais, ça coûte cher d'avoir un Aphelios fort dans la game. Une fois que c'est fort, c'est monstrueux. Et on va prendre le héros de la faille. Alors, où est-ce qu'on va le placer? Est-ce qu'il va y avoir une rétribution au niveau du bot side? Est-ce qu'on va vouloir continuer à jouer au niveau de ce Renekton? La question est posée, Twix. Je sais pas trop. Est-ce qu'on a des visions sur une tourelle? Est-ce qu'on a les capacités de prendre une tourelle? Attention dans la jungle. Peut-être qu'on a été un peu loin. Bukkada qui décide de flash in. Moves avec la grenade ASM qui est tag. Est-ce qu'on peut avoir le reset pour Viegon? Décide de disengage. Exactement. Qui rejoint la bataille. Exact. Avec un très bon combo d'armes. Il est dangereux, c'est Aphelios. Et il prend un kill assez facilement. Ouais, c'était. C'est assez étonnant finalement parce que ça part d'une agression MCES.
et il n'y a pas eu le follow-up qu'on attendait. Ouais. Temporisation, et finalement, c'est Exaki qui vient récupérer encore plus de ressources. Attention, encore une fois, Swafelio, ça va Bukada. Et le gros petit reset, et Bukada qui est dans une sauce intégrale et qui va tomber. On va clear la wave avec le bullet time. Et sur la prochaine, bien sûr, il est fichu TG. Flash de la part de EK, déferlement de puissance, tonnerre. Tonnerre qui sue à grosses gouttes, mais qui est vivant. Écoute, mis à part le fail de Dandan, individuellement, pour l'instant, les LDLC donnent de là. Ils sont précis, ils réussissent leurs agressions. Défensivement, pour l'instant, ils ont réussi à déjouer quasiment tous les plays de leurs adversaires. Et ça se voit qu'il y a quand même, pour l'instant, dans cette early game et dans cette game spécifiquement, un peu une petite player diff. Il va falloir un petit peu serrer les écrous du côté d'MCES, parce qu'il y a de l'idée, mais dans la réalisation, c'est un petit peu insuffisant. Oui, bien d'accord. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur Eka qui, certes, a tenté le flashy play, mais ça lui a coûté son flash. Ça n'a rien réclamé à Tonnerre, hormis le back forcé, ce qu'a fait Eka. Donc il y a peut-être un angle d'attaque pour les MCES. Quoi qu'il arrive, on va avancer sur cette course au dragon. Ce sera, quoi qu'il arrive, une âme extrêmement profitable. C'est une des deux meilleures. Hein. Océan. Ah, Infernal, c'est pas mal, je préfère. Ouais, l'Infernal, c'est la... Fuego. C'est la plus agréable visuellement. C'est de la SMR, la map. Ça ouvre la map, c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, monsieur, c'est pareil, je trouve que cette map-là, je la trouve tellement plus agréable. T'as des nouveaux spots de ward, vachement value. Après, t'as pas de buisson. Non. Moi, j'aime bien quand y a pas de buisson. T'aimes pas la map océan? Je déteste la map océan. Et là, on a un freeze de l'autre côté. C'est la duo lane MCES qui est en train de freeze. Après, je pense que Exaki et Dos ont largement les outils pour. Il y a Infernum, hein, donc. S'il veut briser cette wave, il la brise. Le problème, c'est où est le jungler? Voilà. Un petit hook qui touche. Attention, grenade SM. Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup. Oh, le hook qui passe pas pour Moobs. Et derrière, on a réussi à bait énormément. Ah oui, Bukada. L'arrivée de Bukada, c'est vu. Est-ce que c'est le play Herald, Zab? Peut-être, mais en même temps, la wave, comme tu disais, on peut terminer cette wave tellement rapidement. Voilà, hop, à plus. La magie d'Aphelios qui va jouer Shilbo au passage. Je trouve que c'est une optimisation parfaite. Avec l'état de tempo en plus, tu veux vraiment. Tu veux encaisser sur toi, pop ton shield et ensuite utiliser ton lifesteal pour. Oula. Exactement. Et Dandan, qui était légèrement devant en termes de farm, il s'est fait rattraper quand même à un moment donné par Doxy. Hein, c'est la conséquence naturelle des plays d'early game. Mais il y a un petit abatteur. Et. Bon, écoute, comme on le voit à l'écran. Faute de play préparé, on va mettre un héros de la faille un petit peu. Et Donnard, c'est au rendez-vous, donc il faut du monde pour cracher tout ça. Et ils sont 4, les MCES. Et ils ont réussi à cancel l'avancée de Shelly, qui donc vient par un énorme QI visiblement. Et qui s'effondre lamentablement. Et du coup, aucun bonus. Ouais, mais du coup, on a une situation assez désastreuse pour MCES, qui ont investi beaucoup de temps, pas mal de ressources sur des plays qui n'ont pas marché. Ils ont voulu faire ce dive avec Herald, non plus annulé. L'agression de Bukada dans la jungle, c'est un kill pour Exakik. Et quand on fait le bilan des courses, alors qu'il y avait là peut-être. Hein. Ouais. Et ben, ça commence à faire mal. C'était le moment d'arriver bot, hein, clairement. Ouais. Oh, tonnerre, peut-être sur Eika, l'arrivée de Donnard pour couvrir son midlaner. C'est un 2v2 mid-jungle. Très bonne dispersion des faibles sur le midlaner des MCES. On va pouvoir se repositionner en réception de la prochaine wave au niveau de la midlane. Et une game, ou attention. Oh, Gravitum, on approche au corps à corps. Prend le save room, mais bien sûr la pluie de balles qui empêche toute progression. Ça coûte pas grand-chose à Exa. Hein. Exa, il a raison de tenter. Hein. Si jamais il y a une erreur en face, c'est kill. Et de toute façon, c'était son support qui était le plus proche, donc il ne risquait strictement rien. On va faire un reset, et ça risque d'être une game aux multiples dragons, Twix. Tout à fait, et il est temps que les LDLCOL passent à l'attaque sur cet objectif. Ils ont le jungler le plus imposant actuellement. Il a Mythic plus Tabi, 2-0-1, sans CS. Non, il est vraiment Monsieur Donnard est bel et bien validé. Hein. Il est très très bien, Donnard. Après... Ça va être très intéressant parce que si MCES récupère ce prochain Drake, la game la prend pression. Une certaine narrative et ça pourrait empêcher, un peu estropier les LDLC d'une liberté dont ils auraient besoin dans le mid-game. C'est le fardeau à porter tout le reste de la partie. Ouais, exactement. Dur, hein. Là où je pense que si LDLC commence à stacker des Drakes, et en plus des Drakes de feu, la game va être dure. Syndra Electrocute avec... Toi mais Dandan, il va mettre des coups de pied, enfin...
Ah, c'est très très fort. Ça va être incroyable, hein. Doxy va se faire couper en deux si jamais ça se passe comme ça. Donc les MCES, ils ont clairement bien une condition de victoire qui se joue maintenant tout de suite. Enfin, dans une minute plutôt. Il faut se mettre dans de bonnes dispositions. Ouais. Priorité mid pour le LDLC, du coup on rentre dans la rivière en premier, on défend la vision. On n'a pas donné de... Voilà, on a deny le blue buff à tonnerre surtout. Ouais. Ça c'est important. Hein. Une Leblanc sans blue, c'est une Leblanc qui doit choisir entre trade et wave clear, tout simplement. Alors, on a... Pas de mythique non plus pour tonnerre. Ce troisième dragon, il est compliqué hein, pour MCES. Hein. Il peut être très risqué. Bah, le problème, c'est que s'ils le prennent pas, ils hypothèquent aussi leur chance. Attention, l'agression peut-être de Dan sur tonnerre, oui, l'arrivée de Donard. Ouais, mais bon, c'est une tour. Et c'est une tour juste avant le respawn du Drake, c'est parfait en fait en termes de timing, ça veut dire qu'on va pouvoir crash la wave mid beaucoup plus loin, rotate dans la jungle. Et là si, est-ce qu'on a le Luden pour le blanc? On a le Luden, on a dû vendre un petit peu ce qu'on avait en poche. Exakik, peut-être en difficulté, il choisit de flash out juste avant ce fameux dragon et le fight qui éclate du côté opposé. Le bullet time interrompu est très bien temporisé par Donard, c'est son Xing Zhao. Mais regardez Bukada qui va chercher la transformation de l'autre côté, il prend un reset sur Aphelios. Mais quelle différence cela va-t-il faire de son côté du teamfight, de l'autre et évidemment l'arrivée de Doxy qui fait un petit peu suer les renards de LDLC. J'ai cru voir un doublé sur DOS si je ne m'abuse. Ouais, c'est un peu surprenant. DOS qui a posé la lanterne peut-être une demi-seconde trop tard, sans quoi je pense qu'Exakik aurait pu survivre dans cette phase de jeu. Mais encore une fois, c'est à l'avantage de l'équipe Blueside, 3 kagol d'écart désormais. Et surtout, comme on le disait, avant le respawn de ce dragon, ils vont pouvoir commencer à accumuler ces dragons des flammes qui vont augmenter énormément leur impact en fight. Est-ce qu'on le fait vraiment? Ah si, je vois un reset à peu près simultané. Bon, revoyons le fight. Il y avait vraiment deux fights ici. Hein. Il y avait Bukada contre le reste. Ouais, c'est pas mal joué de la part de Bukada, encore une fois. Un joueur très intelligent de MCES. Et là, belle temporisation de DOS et Donard. Exaki qui joue le fight peut-être un tout petit peu trop tôt parce que voilà, il y avait si DOS arrive et lui met la lanterne, il peut prendre ce fight. Et là, ça aurait été vraiment énorme en termes d'impact dans la partie. Ils auraient pu prendre le Drake qui reset instantanément. Et du coup, on va avoir un round 2. Complètement. L'objectif est toujours sur la table. Est-ce que les MCES vont le lâcher? Ils devraient. Ils n'ont pas le contrôle de cette partie de la carte. C'est donc un premier dragon pour les renards. Exactement. Le premier d'une série, j'ai l'impression, parce que le vent souffle plutôt dans le dos des LDLC dans cette game. On sent pas vraiment MCES en capacité de faire trembler les joueurs LDLC. La roue tourne à tourner. Hein. Très bien, mais écoute, tu me prends de court là. Ah ouais, là on a vu hein, le play commence encore une fois par de la part de Bukada sur Exa et ils finissent par le perdre. Quand tu peux initier sur un face check et que tu perds quand même le fight, c'est pas bon. Ouais, ça te met pas en confiance sur la suite. Mais bon, avec Aphelios tout est possible. C'est sûr. Et il est bien cet Aphelios. Il est bien. Il va pouvoir continuer de récupérer des ressources. Penser à son second item. On se met en side lane mode, j'ai l'impression. Leblanc contre Camille, peut-être pas l'affiche qu'on veut voir. Hein. Je pense que c'est dur pour Camille de jouer contre une Leblanc. Ouais, après il y a un petit all-in Ultimatum X-Tech Ignite qui peut faire peur hein, quand même. Oui, c'est sûr. Après, surtout que là il n'y a pas de sandales de Mercure, c'est quand même très dur de mettre un E sur une Leblanc. Je suis d'accord, ça devrait pas être possible. Donc, et elle peut quand même te clouer au sol. Alors, Leblanc qui de toute façon est. Après, tu peux louper ta chaîne sur l'ulti. Ça c'est beau. C'est vrai. Non mais ça c'est beau. C'est. Après ils vont pas se battre, réalisable, mais voilà, ils vont surtout se regarder. Héros de la faille qui est commencé, initié par Donard. On va pouvoir penser à prendre cette tour top, hein, la tour T1 mid est tombée déjà pour les LDLC la plus importante. Et là on voit une wave qui va crash sur le haut de la carte au moment où l'héros de la faille va être terminé. Et ce serait une... Est-ce qu'il a réussi à le prendre? Oui, il a réussi à le prendre au moment où le bar va spawn. On joue des côtés opposés de la carte, très clairement Bukada qui veut sniper la pression topside de ça, Leblanc. Et le reste de l'escouade qui est là pour temporiser au maximum. Dan, est-ce que ça va mordre? C'est Camille sans flash, hein, donc c'est certainement le meilleur terrain de travail. Mais j'ai l'impression que c'est un peu précipité. Il n'y avait peut-être pas de kill. Hein. Ouais, après... Il y a la tourelle, quoi, c'est ce qu'on veut. Dan qui fait son travail, c'est-à-dire il joue le weak side, il encaisse,
il est là pour perdre le plus lentement possible, mais il est là pour perdre quoi qu'il advienne. Et là on va pouvoir jouer sur le strong side, attention, le chêne. Est-ce que ça passera jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut terminer le travail? Ce sera le cas. Quel superbe setup du duo mid jungle DMCES. Tonnerre qui a tenu son adversaire en laisse. Très très bien joué de la part de Tonnerre et de Boukada qui vont récupérer skill. Ça donne un peu d'espoir dans cette game. On a Boukada qui est quand même très très bien. On sait Viego, une fois que c'est unleashed, ça peut gagner une game quasiment tout seul. Donc attention au danger Boukada. Ah, les trois items d'Aphelios. Hein. Mais voilà, le Aphelios, il est... il est bien. Il est bientôt là. Hein. Il est bien. J'ai l'impression. Plus qu'une IE et... on peut prendre totale possession de la game, je pense. Ah, il est clairement pas de job, il est Phantom Dancer Shilbo avec un Thresh. Il y a déjà Anathème au passage. Ouais, et en plus, regarde les LDLC qui ont réussi à prendre la tour top sans utiliser le héros de la faille. Et oui. Du coup, ils peuvent l'utiliser sur la T1 bot. Et on continue. Ce qui va leur permettre de récupérer la dernière tour. Allez, les gold locaux. Ouais, pas intéressé. Pas intéressé, Exakick. On joue la tempo, hein. On va être le premier sur le prochain objectif. Tandis que les MCVS défendent, le prochain objectif c'est quoi? C'est le prochain dragon a priori. Prochain dragon. Je vois mal LDLC rusher un baron même s'ils ont un Aphelios. Ouais, on est un peu early. Hein. C'est un peu tôt en effet. Et on va voir cette contestation de la rivière bot side. La Camille de Dandan pour l'instant sur la voie du haut. Très bon travail hein, de création de pression par le side en allant prendre la wave assez loin. Il sait qu'il est relativement safe. Et Exakick qui va pouvoir push. Les joueurs de MCS là, ils ont pas. C'est vraiment compliqué pour eux cette game. Ouais. Ils ont pas la possibilité de push une wave pour setup quelque chose. Donc ils sont en full réaction sur les trois lanes de la map. Et du coup, forcément, ça se ressent en termes de map control autour de ce dragon. Ceux qui ont le terrain 30 secondes avant l'objectif, ce sont les LDLC. Et donc il va falloir, pour les MCS, dans une certaine mesure, face check, entrer dans cette rivière. Ou alors ils vont le laisser, peut-être, mais par le sud. À deux dragons infernaux, ça commence à faire beaucoup. Parce qu'on a, ouais, on est à deux doigts du Void Staff de Tonnerre. On aimerait bien l'avoir quand même pour ce fight. Ouais. Mais bon, ça a l'air dur. Hein. Ça me paraît. Le problème, c'est que je pense qu'il n'y a même pas... Il y a des champions mêlés, parce que les mêlés ont de la RM par niveau, donc c'est quand même intéressant de faire le Void Staff quand il y a beaucoup de champions mêlés en face. Mais là, les cibles principales n'ont aucune RM, donc le Void Staff va pas avoir une value si insane que ça. Ouais, on est quasiment en dégâts bruts, juste avec la flat pen. Ouais. Mais bon, on a besoin de maximiser. Dommage, ça n'a pas connecté au niveau de cette pen capitale, mais AK qui prend ses responsabilités, flash in, ulti, Dandan, c'est un clone, il le sait, direction dragon. Je pense que AK n'a pas besoin de flash sur ce play. Oui. Je pense qu'il devrait juste tempo. Il cherche à tuer. Autant se mettre Dandan en flanking, on va pouvoir récupérer Dragon. Oh, joli! Très très joli sniping de la part de Donars. Le type qui éclate juste derrière. Les MCES ont tout donné, ça ne fait pas la différence à moins que Doxy trouve l'ouverture et les resets de Viego. Je pense que c'est parti! Attention, ça fait 1 et on continue du côté de Boukada. On va pouvoir. Bien joué du côté de AK. C'est Dandan maintenant qui va peut-être pouvoir se jeter sur TG. TG qui essaie de courir, mais ce sera le kill du côté des LDLC. Exact qui est toujours en vie, même si Tonnerre est présent. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller prendre cette wave mid et peut-être aller prendre même le Baron Nashor avec les chakrams? Ouais, mais bon, je pense qu'on va se contenter. On n'a pas envie que le blanc vienne snipe. Un teamfight assez chaotique, hein, Twix. Ça a été mouvementé et finalement ça revient encore une fois dans les poches de LDLC qui s'envole, 4K gold désormais, 2 dragons infernaux. J'ai failli voir un pentakill de Boukada. Ouais. Ah, ça m'a rappelé le skins move botlane. La Boukada qui sort. Donart solide hein, parce que Boukada investit beaucoup pour tenter de voler ce Drake. Ouais, et là il vient, interruption. Et là il est pas loin du tout. Ouais, le shieldbo d'Exa qui... Enfin, il est incroyable. Ah mais Shilbo est vraiment un très très bon choix pour Exakick dans cette game. Et le fait qu'il soit à deux items aussi. Ouais, il est très très bien dans la partie quoi. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être qu'au même niveau de gold et au même niveau d'item, c'était peut-être un teamfight qui était remportable par MCES et on voit l'impact hein, ouais. Des bons plays précédents du côté des LDLC. LDLC exactement. Et maintenant, on commence à pouvoir penser à cette game. Hein. On est bien, on a les items, on a le contrôle de la partie, on gagne les fights. Prochain chakram, c'est Baron normalement. Ouais, Baron et puis troisième Drake. Et je pense qu'à 3, bon, sans parler du quatrième, mais déjà à 3 Drake, ça fera trop trop mal en termes de fight.
c'est bien 4% c'est ça par stack hein. Il me semble que ça n'a pas bougé. Ouais. Donc ça devrait toujours être le cas. Le chat nous dira bien sûr si on se trompe, ils adorent ça. Et puisqu'on on était sur Dan Dan à l'instant, série. Il y a un showdown à récupérer sur le top laner des LDLC. Et surtout, en termes de 1v1, je crois qu'il y a plus de débat. Ouais, là ça devient difficile. Ça devient difficile pour Doxy. Il est big, hein. Et Big. Et puis bon, de toute façon, c'est comme ça que le match-up se joue. C'est dommage parce que j'ai pas l'impression que les MCS n'ont pas réussi à jouer sur ce counterpick Renekton. Mais... Là, j'aurais bien vu un Jax. Contre tous ces champions, Jax est fort quasiment. Sauf. Contre Xing Zhao plus Camille, ça aurait été incroyable. Ouais, je pense que si tu sais le jouer, tu vois, je me dis. Après, je sais pas. Il y a forcément un type qui est Chal en EU West qui joue Jax tous les jours qui va dans le chat qui va me dire non c'est nul en ce moment Jax. Mais c'est vrai que sur le kit et même le R de Jax sur l'ulti de Syndra, tu vois, c'est toujours super intéressant. C'est une réponse traditionnelle hein, de Camille. Et parce que là finalement ils ont pris un counter pick d'early game avec un jungle qui veut un peu farm. Et du coup on ne les a pas sentis capables de créer du jeu comme ça en Renekton plus je sais pas un Renekton Nidalee, Renekton Viego là en l'occurrence c'était pas assez agressif. Et du coup bah on arrive au point où Dandan en plus avec Ignite, là il est vraiment très très bien sur son side et il va pouvoir continuer à farm et continuer à scale. Certainement plus de discussion, on commence à éprouver certaines difficultés pour le MCES, on a besoin d'un bon fight, le tout c'est de le choisir, d'être toujours capable de le choisir j'entends. Parce que étant derrière en tempo, ils n'ont plus d'initiative sur quoi que ce soit. Et donc ils doivent procéder avec beaucoup de précautions. Oh attention, le hook qui est lancé du côté de Dost, Exaki qui va peut-être se jeter sur Moops. Ça va. Ouais, c'est sans conséquence, mais ça aurait pu être désastreux. Ouais, c'est justement cette situation qui est de plus en plus invivable. Ça se passe bien pour les MCES pour le moment, mais le prochain face check pourrait être le face check fatal. Et puis tu regardes LDLC, ils sont vraiment en train de farmer toute la carte. Ah ouais. Ils farment tous les camps, ils farment toutes les waves. Je crois qu'il y a l'IE, non ? Non, c'est une BF. Dis-moi que c'est une BF. S'il y a l'IE, c'est compliqué. Hein. C'est une BF. Ouais, c'est une BF. C'est une BF. Quand même. Ah, là, c'était... Ah, c'était trop. Ah, c'était trop. Bon, allez, déjà, c'était il est fin bien. De tournage. Hein. Il est bien, mais il a pas pris de kill. Il a pris 5 assists, mais il a pas vraiment pris de kill. Il en a pris un. Bah, son support, c'est un peu faible, ouais. Ouais. Un peu fit, pardon. Ah, le canon. Et on va... Avancer into Drake. Sur, ouais, toujours midwave, contrôle de la demi-map sur l'objectif neutre, prise de vision. Il y a la wave bot quand même qui est pas trop contrôlée, on aurait pu s'en charger au niveau de Eka, mais... Ouais, mais il y a personne qui est en train de la push cette midwave, donc... Et regarde, quand je disais ils prennent toute la carte, les LDLC qui ne s'arrêtent pas de prendre un camp par-ci, un camp par-là, et au final ça s'accumule, regarde, l'écart gold, et on l'avait laissé à 4k la dernière fois qu'on l'a mentionné, maintenant on est à 5, on a pris 1k gold avant juste à farm des waves. Et toujours, cette prio, toujours cette tempo. On doit face check, on doit rentrer dans cette rivière. Peut-être jouer la prochaine wave mid. Mais si on joue la wave, on ne joue pas le dragon. Il faut faire un choix maintenant. Le stun, c'est bien joué. Le follow sur Doxy. Oh là là. Il va tomber Doxy. C'est Exaki qui prend le kill. Dandan qui est en train de zoner toute l'équipe adverse. Friedrich. Troisième dragon. Et là, une autre wave mid et on peut peut-être zoner le baron. À moins qu'on veuille récupérer les sides tout simplement. Le truc c'est, est-ce que LDLC a besoin de finir la game rapidement? Ils peuvent le faire, mais est-ce qu'ils doivent le faire? Mieux ils sont hein, en vrai. On voit qu'il y a un joueur qui pour l'instant fait une vraie game de qualité, c'est Eika, qui systématiquement en fait trouve un stun via une dispersion des faibles juste avant les prises de Drake. Je suis d'accord. Ce qui ne laisse jamais MCES jouer au jeu. Ouais, toujours il a eu une colossale prio et ce n'est pas tout. La farm prio, elle est incroyable. Enfin. Ouais. Là, on parle d'une soixantaine de creeps. Eka qui, clairement, fait parler le match-up Syndra-Leblanc. Ouais, bah de toute façon, il est pas aussi fort que ça en lane, mais si jamais la game est un peu even comme elle l'est actuellement, Syndra a toujours de très bons arguments. C'est un excellentissime champion, comme Orianna, comme même Azir. C'est des champions qui ont des kits extrêmement polyvalents. Et là, 2-3 fois, je crois, dans la game, peut-être 2. Petite dispersion des faibles, stun. Derrière, c'est un follow-up, c'est soit un kill, soit un flash. Et derrière, bah, tu peux plus fight. Franchement, Donnart, il lui faut moins que ça pour engage. Et il est très content. En plus, il est vraiment bien, ce Xinzo, parce qu'il est complètement immunisé contre TG. Genre, complètement immune à l'ultime Miss Fortune. Donc, vraiment, il rentre dans la mêlée, il chill, il gère son petit Renekton. Et son petit Viego à grand coup de Sterak. Oh, oh la patate. Oh
mon dieu, Eka! Ah, la patate, Eka! Ah bah écoute, voilà. Tonnerre qui vient de faire les frais, ouais, il a pulvérisé. Et derrière LDLC qui va pouvoir passer la seconde. On va attendre la défense quand même de MCES. Il va falloir faire une bonne prise de fight. Oh, c'est bien joué du côté de DOS. L'arrivée d'Eka justement. Encore. Et Donnarz qui va prendre le kill sur TG. L'arrivée de Dandan. On va peut-être pouvoir utiliser l'ultimate avec Tech sur Bukada qui se retrouve prisonnier. Mais heureusement, Doxy est en train de le protéger. Moubs qui tombe sous le coup des LDLC qui sont très méthodiques et qui continuent à faire le baron. Regarde, Exakik lui est en train de solo tank le baron pendant que son équipe déroule. Solo tank, solo kill également. J'ai l'impression, c'est complètement zoné, on va même peut-être récupérer Doxy, Bukada. Ouh, et donc Keston monumental encore une fois de la part de Jérémy. C'est un festival d'Eka cette game, un véritable festival. Eka tranchant sur chacune de ses dispersions des faibles qui offre directement, regarde, pas de reset, maximiser son tempo. On va utiliser la wave qui arrive sur la base adverse, on va peut-être prendre T2, T3, peut-être même inhibiteur, ils sont tellement devant, ils n'ont pas réellement besoin de convertir leur goal. Même rotate topside, hein. Après, le seul c'est truc, un peu too much. C'est que tu vis à crédit, quoi. Ouais, c'est peut-être un peu too much. Mais ils aiment bien le too much, ils aiment bien. Allez, let's go. Bien, c'est sûr. Bien, jouer vite, c'est important. Attention. Sur la Tonnerre à TP, il a essayé de flank mid lane. Comme ils ont été top, c'était pas vraiment évident. Eka a toujours son flash, un endroit un peu délicat. Mais il y a une stopwatch en réserve Tonnerre. Ce sniping risque de très mal se passer. Il est repéré si on en croit la boule de Eka. Ouais, il cherche un back TP. Ouais, il cherche un back TP. Ouais, ça va être compliqué. On prend deux inhibiteurs juste après le baron. Est-ce qu'on TP vraiment là? Ah, ça me paraît dur, ça me paraît dur. De toute façon, Exaki, j'ai l'impression qu'il peut juste appuyer sur A, clic, se mettre au milieu de la lane et attendre. Normalement, je pense que la game est gagnée. Quel... Là, on a enchaîné 4 minutes de jeu qui font très très mal au MCES. Bah là, en plus, ils vont pouvoir jouer par le mid, contrôler tout le bas de la carte, prendre le quatrième dragon, l'âme infernale. Ouh. On revoit niveau 16, élixir de sagesse. Avec l'électrocute en plus. Ah, les dégâts sont gigantesques. Bah c'est QEZ mort. Après, il n'y a pas de concession dans le build d'Eka. Saut noir à 10, botte du sorcier, Rabadon, et on a le Luden. Donc on est full pénétration flat, full AP, et on est juste là pour one-shot des cibles. Et en face, il n'y a pas un poil de RM. Wow. C'était bien joué de la part de DOS. Et dans ce match-up là, on aime bien les Mercures sur Leblanc, mais ça aura rien changé honnêtement. Il serait fait pulvère tout pareil. Peut-être pas en lane, mais sur le play d'avant en tout cas, c'est sûr. Bah, le truc, c'est qu'Ekid n'utilise même pas son ulti. Hein. Oui, il restait un ulti, donc, clairement. Bon, bah maintenant, c'est l'épilogue quasiment de cette game, sauf chute de météorite. On en a vu. Mais ça, normalement, ça arrive une fois par an et celle-là, ça a déjà eu lieu. Celle-là. C'est extinction de l'humanité à la clé, hein. Ouais. Il arrive à renverser ce scénario. Je veux dire, on a la soupe juste derrière si jamais on galère un petit peu à prendre le Nexus. Tonnerre qui veut pas sniper Dandan, la wave qui va venir crash, Exaki qui va commencer à taper. Il faut défendre, même si c'est un teamfight perdant, il faut défendre du côté MCES. Ah bah là c'est... Allez, on regarde Eka, est-ce qu'il va nous faire une dernière dunks? Attention, dégâts colossaux, ulti à Feyos qui est parti. Gravitum, oups! L'agression, justement, c'est très bien joué le Nautilus, mais ça ne suffira pas. Donnarz qui est au milieu de la mêlée, qui va pouvoir se faire rapatrier par le trèche. Et l'entrée des MCES, oh la qui se vaporisé par les LDLC. Et la réentrée de Donnarz maintenant sur la backlane. L'ulti de Miss Fortune ne servira à rien. Et les LDLC balayent et pulvérisent MCES, dont les espoirs de playoff commencent à tomber en charpie. C'est bien le cas, c'est bien le cas, puisque maintenant, à 4-10. C'est plus que 4 matchs. Ouais. Entrer en playoff à 8 games, à 8 victoires, ça se fera pas sans un scénario exceptionnel ou multiple tie-break. Ouais, mais c'était une très belle game de LDLC OL. Très très bonne game. Bravo. Clean. Et Eka, sniper. Vraiment, il n'y a pas grand chose à redire. Hein. La botlane qui a bien travaillé, top lane un peu exposé au début. Je pense que Dandan est le premier à s'en vouloir sur ce petit... Voilà, ce petit crochet sur le mur. Mais à part ça, vraiment, il n'y a pas vraiment d'accident à signaler. Les LDLCL ont été clean. Ils se maintiennent encore et toujours dans cette fabuleuse dynamique de deuxième partie de saison, si j'ose dire. Non, mais c'est très bien. Ils ont trouvé la recette. Ils savent comment ils veulent jouer. Les picks qui sont bons sur la botlane sont ceux d'Exa. Et ils ont compris que quand Exa est bien, LDLC est bien. Eh bien, on va donner les balles à notre bureau d'analyse pour connaître un petit peu, eh bien,
ce qu'ils ont pensé de ce fabuleux match des renards, messieurs, c'est à vous. Merci pour les balles, Twixou, et je suis rejoint par Tréton et par Robalas. Robalas, comment ça va ? Bah ça va, j'avais pas pu venir la semaine dernière, donc ça fait plaisir de revenir sur cette Super Week pour la LFL. Alors on va jeter un petit coup d'œil au draft, net victoire de LDLC. LDLC qui confirme sa position de troisième, puisque maintenant ils sont à 8 victoires, si je ne me trompe pas, donc avec une victoire d'avance en attendant de voir ce que va faire les Misfits de première. On a ce Aphelios qui est cherché du côté d'Exakik. Toi qui connais bien l'homme, est-ce qu'il est vraiment allé sur le champion ? Oui, c'est le champion qui lui a permis de l'élo boost jusqu'au top 10. Chose qu'il a pu faire avec la sortie de Aphelios. Il fut un temps et vraiment, il est excellent sur le champion. Et je pense que Thresh Aphelios, dans l'idée, pour la botlane de LDLC, c'est sûrement les meilleurs champions qu'ils peuvent aller chercher. On l'a vu en termes de 2 contre 2, même un petit peu de 2v3 avec Bukana qui les a beaucoup cherchés. Ils se sont très très bien sortis, mais le véritable homme du match pour moi, comme ils l'ont dit au cast, c'est Eka en counter pick de Leblanc avec sa Syndra, qui a fait un match juste incroyable ici. Alors justement, je m'adresse au mid laner. Syndra contre Leblanc dans le match-up, plutôt à l'avantage de Syndra. On attend le 11.15 en plus qui va être un petit up normalement. Bah, je pense que ouais, Leblanc en blind, c'est difficile. Syndra, c'est une bonne réponse dans le sens où c'est pas très difficile de cancel un W. Le stun est assez facile à placer contre le pick et dans le match-up. Du coup, ça te donne un bon contrôle de lane. La réponse était bonne. Et on a vu, hein, de toute façon, en teamfight, contrôler bien, des bons stuns. On a vu aussi le one shot au top. Mais ouais, clairement, je pense que Syndra, c'est une bonne réponse à Leblanc. Et Leblanc en blind pick, c'est difficile à sortir. Surtout avec, je trouve, les champions qu'on peut voir en ce moment. Xin, Gwen, trucs qui ont des invincibilités comme ça, c'est pas simple d'aller chercher. Donc, ouais. Il faut vraiment être pixel. On a vu certains, Leblanc Lee Sin par exemple, fonctionner. Il faut vraiment avoir tout un plan de jeu, réussir à snowballer dans les games. Et pour la MCS, ils ont tenté de le faire. Malheureusement, ce n'est pas du tout passé contre des LDLC qui ont été très très solides. Même sur la top lane, tout de même, Doxy, encore une fois, fait par Eliox sur un Nekton, il a été très solide. Il a un V2 à plusieurs reprises. Il a vraiment plutôt bien tenu. Mais ça n'a pas eu tout suffi parce que sur le reste de la carte, vraiment, les LDLC ont bien dominé. Et au passage, belle gestion du Baron Nashor ici avec Isaki qui le termine et son équipe qui clean absolument tout le monde. Ouais, Dandan Chahuté. Et là, après, on voit en plus les one shot que Meika. Alors justement, Robalas, tu me parlais un peu du stuff du moment, Rabadon Cosmic Drive, enfin des stuff qui permettent de snowball et de quasiment de OS, tout ce qui passe en mid game. Bah, je pense que sur Leblanc en ce moment, ouais, sur Leblanc, si tu peux faire Cosmic en deuxième, le pic est vraiment fort. Cosmic Rabadon, quelque chose comme ça. Après, quand tu commences à passer derrière, que tu dois aller chercher un Void Staff, ça devient dur. En face, avec sa Syndra, il fait une tire, il va chercher Séraphin. Derrière, il prend un Rabadon et en termes de spike, c'est compliqué. Il a un Void. En troisième, je ne sais plus sur quoi il partait. Je crois qu'il avait pris de la CDR, donc soit il partait sur un défensif, soit il partait sur Cosmic. Mais un spike 3 items quand t'as Luden, Void Staff et un défensif, quand en face c'est Séraphin, Rabadon, tu peux pas match. Et on le voit ici, un Tonnerre, Bukada, même Doxy qui vont essayer de rentrer, mais à partir de ce moment-là, quand Aphelios a autant de dégâts, quand la Syndra aussi a beaucoup de dégâts avec son E, c'est impossible pour le teamfight, il y a trop de range du côté de LDLC. Et en plus, dans toute cette range, on a quand même un Donnarz avec Xin Zhao qui arrive à bien temporiser, on le voit juste ici. Bah, ça se fait one shot très rapidement et vraiment une game extrêmement convaincante de la LDLC. Certes, cette semaine, ils nous ont perdu contre Gamers Origin, mais toujours une équipe qui a l'air de monter en puissance et d'être en forme. Donc, encore une fois, pour les playoffs, les LDLC ont l'air d'être plutôt bien partis. Et justement, alors on va regarder un peu, voilà, hein, bon, la Coupe de Gold, bah, on voit un snowball qui est propre, hein, qui est clean, on n'a pas vu vraiment d'erreur, ça a très bien enchaîné. Quand on voit à peu près le reste dans le calendrier, alors ça faisait partie des matchs un peu plus faciles peut-être, il leur reste un agenda qui est un peu plus compliqué, mais avec cette victoire d'avance, est-ce que LDLC, ils ne sont pas quasiment bon pour les playoffs, je pose la question. Non, il faut encore sécuriser 2 ou 3 victoires, je pense, pour être vraiment safe. 3 sur 4, oui, forcément, ça marche. Ouais, mais même avec 2, ça va être compliqué pour LDLC. C'est pas non plus à 100%, parce que tout le monde est tellement close que ça reste complexe. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont un très très bon ticket avec cette victoire, ça va leur faire beaucoup de bien, et je pense qu'on leur demandera en interview comment ils se sentent vis-à-vis des playoffs. Le MVP, Eka ? Oui, il n'y a pas... Oui, sans discuter, Eka, très très bonne game encore une fois sur sa Syndra. Et voilà, donc on donne le MVP à Eka, on attend pour l'interview de fin de match, 5-0-10, 33% des dégâts, il était partout à la ferme et au moulin. Très très, très fort, juste un pixel perfect, et en plus c'est bien parce que ça, on continue de voir que actuellement, ce summer, il est vraiment en forme, il ose sortir plein de champions. La Syndra, on ne l'avait pas forcément particulièrement vu, on sait qu'il était très bon dessus, il fut un temps. Et on voit qu'encore aujourd'hui, bah, il a toujours les bonnes mécaniques sur la Syndra. En plus, le match-up Eka-Tonnerre,
C'est quand même un match-up que l'on a beaucoup vu en scène française. On l'a effectivement saigné ce match-up. Et c'est vrai qu'on se pose la question, parce que EK au Spring, gros slump, il revenait de l'Amérique du Nord, qu'il avait peut-être un petit peu cassé. Hein. Ils ont cabossé notre petit EK. Et là, sur ce Summer Split, on voit cette montée en puissance. On a eu notamment Chico hier qui en parlait, etc. Est-ce qu'on a le retour de EK qui, à l'époque, était peut-être l'un des meilleurs millénaires, voire le meilleur millénaire de la scène française? Ouais, bah, je pense que c'est pas le cas que de EK chez LDLC. Je trouve que même en solo queue, genre EK, Exakik, c'est pas mal monté en solo queue. Je pense qu'ils ont peut-être retrouvé un peu de confiance pendant l'intersplit. En solo queue, ils ont peut-être retrouvé des sensations, même en scrim. Donnard s'est bien greffé à l'équipe aussi. Donnard, je pense que c'était une bonne acquisition aussi. Je pense qu'il apporte une certaine connaissance. Ça fait quand même un petit moment qu'il est là, Donnard. C'est un peu un vieux de la vieille aussi. Du coup, ça a l'air de bien marcher et ça fait plaisir. C'est une équipe qui est quand même là depuis longtemps. Il y a des vétérans, tout ça. Et en tout cas, messieurs, je vous coupe parce qu'on a l'interview qui est là. On a Zef, assistant coach, qui travaille avec SOAS. Comment ça va? Ça va très bien. On a gagné contre MCES, mon ancienne équipe. Du coup, je suis très content. Ah, ça doit faire plaisir un petit peu. Alors, parle-nous un petit peu de la draft déjà. C'est vrai qu'on a revu peut-être Exakik sur un de ses premiers amours avec le Aphelios. Ce match-up, Syndra dans le blanc qui marche très bien. C'était plutôt clean. Dans quoi vous êtes parti dans cette draft? Alors, je vais rentrer dans les détails un peu, mais en gros, notre but, c'était d'avoir le Lee Sin. Mais ils l'ont banni parce que c'est un très fort champion à la méta. Du coup, notre priorité a changé sur Thresh. C'est quand même le meilleur support. Et quand c'est couplé à un bon match-up AD, généralement, tu as le match-up bot et ça se passe bien. Donc là, à la draft, on avait déjà sécurisé un très bon jungle, Xing Zhao, et le match-up bot. Donc déjà, on avait sûrement le meilleur bot side du jeu, je pense, en early game. Et après, franchement, ma seule peur pour la draft, c'était qu'ils avaient genre le Renekton, le Blanc, Viego dans la Camille. Si ça se passe mal pour la Camille, ils peuvent snowball envers la top side et après ça va être compliqué. Ouais, c'est d'ailleurs. Et pour le coup, Dandan a fait un très bon travail là-dessus. Oui, d'ailleurs, Dandan a été un tout petit peu chahuté, mais après, c'est très très bien repris. On a pu voir tout de même un enchaînement dans la partie. On voit que LDLC, on a vu la montée en puissance, Spring, Summer, au début, on a commencé en bas, c'est-à-dire qu'on a commencé, on perdait les niveaux 1 dans la jungle, et finalement, ça commence à remonter. Là, on a vu un plan de jeu bien, assez bien maîtrisé. Hein. On voit la courbe de gold, elle est clean, ça snowball bien, ça joue les objectifs, ça laisse passer les dragons pour jouer les gold, ça revient un petit peu. Est-ce que vous êtes satisfait actuellement avec l'arrivée des playoffs et notamment de Hex la semaine prochaine, du niveau de macro, du niveau vers le mid-game de LDLC? Je pense qu'on s'améliore. Alors je pense qu'il y a quand même des heures, vous avez dit qu'on a fait un bon early game, je ne suis pas trop d'accord. Notre niveau 1 était super troll, genre ward topside rebush. Ça veut dire qu'on n'a pas la ward pour cover du gank et du coup si on push top c'est compliqué. Donc il y a quand même quelques petites erreurs, mais je pense que overall ils ont réussi à... Enfin, en fait, ils n'ont pas réussi à nous abuser en topside, du coup la game était très contrôlée, on a pu faire ce qu'on voulait. Au-delà du jeu, Zef, c'est quand même un changement de dynamique assez impressionnant côté LDLCL entre début de summer et maintenant, et même par rapport au Spring Split. Qu'est-ce qui pour toi, d'un point de vue coaching staff, a véritablement changé dans l'équipe? C'est quelque chose qui a cliqué ou vous avez fait des choses en plus, apporté quelque chose qui a permis du coup d'avoir de belles performances maintenant? Je pense que on a beaucoup, par exemple, au début split, on a testé des Mundo Yumi. D'ailleurs, on a perdu 3 fois avec Yumi. C'est une honte. Je pense toujours que c'est très fort, mais en gros, je pense en tant que coach, c'est important de savoir les forces de nos joueurs et avoir Exa sur un tireur, avoir Eka sur un mage, des trucs comme ça. C'est des trucs où est-ce qu'on est déjà confortable et on n'a pas besoin de tester des millions de trucs. Je trouve qu'on est déjà très fort et on arrive à snowball de lead avec ça. Du coup, faut juste concentrer là-dessus, je pense. Et je pense que, le changement en tant que coach, comme j'étais pas là avant, j'espère que j'apporte des trucs à LLC. Je pense que j'apporte des trucs à LLC, mais voilà quoi. J'espère que ça passe quoi. Du coup, moi, Zef, j'avais une question par rapport à votre planning. On sait que c'est un petit peu compliqué, que les places en play-off, c'est cher. Il n'y a que 5 places. Est-ce que vous êtes, au niveau du staff ou même un peu au niveau des joueurs, si tu peux nous en parler, est-ce que vous êtes un petit peu inquiet ou est-ce que vous êtes plutôt confiant au vu de vos performances récentes et au vu des performances des autres équipes qui sont comme K-Corp ou Vitality, peut-être un petit peu en dessous, on voit des loses qui partent à droite à gauche, des games difficiles contre MCES par exemple hier. Est-ce que dans quel état d'esprit vous êtes par rapport au planning qui est un petit peu difficile pour vous? Alors, pour moi, pour le coup, je trouve que moi je suis super confiant. Je pense que le seul match qui peut être compliqué, c'est Vitality parce que c'est une grosse équipe et ils ont des... Je pense que leurs drafts sont un peu dans le même genre que les nôtres. On a les mêmes priorités. Mais par rapport aux autres équipes, je crois que c'est BDS. Je ne sais même plus qui c'est. BDS, Easy Dream, Vitality et je ne sais plus.
Je sais plus la dernière, ouais, mais c'est tout cassé, un truc comme ouais, ça. C'est... Non, on a déjà joué les deux, mais en gros, je trouve que pour moi, la meilleure équipe qu'on va affronter, c'est Vitality. Les autres équipes, je pense que c'est pas assez simple, mais j'ai moins peur d'elles personnellement. Donc je suis vraiment confiant pour le coup. Et justement, en termes d'équipe, j'avais posé la question à Exa, et je lui avais demandé quelle équipe tu voyais aller en playoff avec vous potentiellement, et on va dire que Vitality est cassé passe. Quelles sont pour toi les deux équipes qui vous accompagneraient dans ces playoffs, qui sont peut-être la plus grande compétition? La meilleure équipe pour moi en ce moment, je vais être très honnête, je pense que les deux meilleures équipes, c'est Geo et Vitality ATM. Je pense que j'ai oublié, c'est Solari qu'on va jouer next week. J'y viendrai juste après. Mais voilà, je pense que mais c'est une bonne équipe Solari aussi. Juste, je pense que les meilleures équipes qui jouent le plus proactivement en ce moment, qui font le plus peur, c'est Vitality et Geo. Les autres équipes ont quand même underperformé, je trouve. Même si BDS a eu des meilleures games, je pense que c'est surtout, par exemple, Geo BDS hier, c'est surtout Geo qui s'est. Ils se sont enterrés, quoi. Genre, ils avaient un super lead, ils n'ont pas réussi à close la game, mais c'est dommage. Toute petite dernière question, parce qu'on me dit qu'on est un peu pressé par le temps. Zef, la semaine prochaine, vous jouez sur stage, donc sur scène devant public, contre Solari. C'est quoi un peu? Alors, est-ce qu'il y a une préparation spéciale pour ce match-là? Comment se sentent les joueurs à l'idée de revenir avec du public et même toi, accessoirement? Bah, moi, pour le coup, je suis super content d'être dans un event offline, du coup. Et je pense que pour Solari, ça va être super intéressant parce que Solari, ils aiment beaucoup faire des picks un peu weird comme nous. Enfin, on aime bien faire des trucs un peu extravagants, pas pick des trucs anodins, quoi. Et du coup, ça va être vraiment surprenant pour la draft, je pense. Il va falloir se préparer et de toute façon, on est toujours préparé pour les drafts LFL, donc ça devrait le faire. Bah, le public va kiffer, merci beaucoup. Voilà, vous êtes prévenus, vous voulez un peu de l'exotisme dans les drafts. Eh bien, ce sera le Solari contre LDLC la semaine prochaine, jeudi prochain, le 22 juillet. Merci encore beaucoup, Zef, d'avoir répondu présent pour l'interview. Et on vous souhaite tout le meilleur dans la préparation et dans ce beau sprint de fin. Merci. Le petit Brosef, ça manque la Mongus avec le Brosef. Ouais, c'est vrai qu'on en faisait pas mal. J'allais dire, ça fait plaisir de l'avoir en interview. Très sympa et quelques insights pour l'avancée, la progression de LDLC. Le prochain match donc qui se jouera entre BDS et Solari. Oh, voilà. Et ouais, non, je l'ai eu dans l'oreillette. Ah. BDS je et Solari. Me disais aussi. Je vais pas mentir et je l'ai pas entendu à travers le mur. Voilà, nous on va faire une toute petite pause et on revient pour ce banger. À tout de suite.